avec un taux de réussite exceptionnel de 98% à l'examen d'entrée en 7e, 88% au BEPC, ainsi qu'un solide taux de réussite de 62% au baccalauréat guinéen et de 73% au programme français, les écoles Bacan se démarquent par la qualité remarquable de leur formation et la pertinence de leur programme. Situées dans le quartier de Simon Bossia, dans la commune de Ratoma, les écoles Bacan offrent un cycle complet bilingue de la maternelle au secondaire ainsi qu'au programme français, le tout dans des installations impeccables équipées de manière moderne. Chez les écoles Bacan, l'excellence est synonyme de rigueur. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter au plus 224 621 43 71 44, plus 224 611 00 54 73 ou le plus 224 625 35 35 10. Oh, vraiment? Alors? Film FM, Film 24. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée, avec Aboubacar Diallo, Talibé Barry, Mamadou Ri Diallo, Emmanuel Milimouno, Kabine Fofana, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambalo. Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci de nous recevoir chez vous. Vous êtes à bord de Mirador, bienvenue. Avec à la une cette interrogation ce matin, justice à quand la fin du bras de fer entre l'association des magistrats de Guinée et le garde des Sceaux, une question qui taraude les esprits dans le milieu des praticiens du droit, inquiets de la tournure que prend à l'aune de chaque épisode ce feuilleton à rebondissement. Dernier cas en date, c'est la réplique qui ne se fait pas attendre du ministre Alphonse Charouët à un acte d'huissier déposé le mardi 3 octobre dernier auprès de son cabinet au nom du bureau de l'AMG relatif à une résolution ayant sanctionné la récente assemblée générale de la dite association, une résolution à travers laquelle le bureau de l'AMG exige entre autres du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme de rétablir dans leurs fonctions dans un délai de 15 jours les deux magistrats suspendus officiant au TPI de l'Abbé, de procéder au dégel des salaires des magistrats ayant observé le mot d'ordre de grève, de débrayage de l'AMG et de cesser la publication sur les réseaux sociaux des actes de suspension pris à l'encontre des magistrats sous peine de déclencher une grève générale et illimitée. Et si sur les deux premiers points, Alphonse Charouët, à la demande des membres du comité de sortie, a fait des concessions, il n'en est rien du premier, pourtant source de casus belli entre les deux parties. Là-dessus, Charouët estime que le CSM étant déjà saisi de la question, il lui revient, revient à cette instance d'en décider. Les concessions faites par le garde des Sceaux sont-elles constitutives d'actes de bonne foi et de détente? Nous posons la question ce matin. Les dites concessions sont-elles de nature à éloigner le spectre d'une grève générale et illimitée dans le secteur de la justice? L'autre interrogation, l'AMG, devrait-elle reconsidérer ses positions? Nous posons le débat et nous irons chercher des réponses auprès de l'AMG ce matin. Justice toujours, les magistrats de la CRIEF ne pouvaient rêver mieux pour marquer le retour des vacances judiciaires. En effet, la Cour de répression des infractions économiques et financières recevra à sa barre, et pour la première fois, ce jeudi 5 octobre, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Amadou Damaro Camara, sauf changement de dernière minute selon son avocat qui s'est confié à la rédaction de FIM FM. Et son client se présentera aujourd'hui devant les juges de la CRIEF puisque, assure son entourage familial, son état de santé se serait beaucoup amélioré après plusieurs mois de soins reçus à l'hôpital de l'Amitié sino-guinéenne. L'ancien président de la 9e législature guinéenne, membre de l'ex-parti au pouvoir, le RPJ Arc-en-Ciel, entend donc donner sa version des faits dans le dossier de détournement de fonds dont il est accusé dans la gestion des 15 milliards de francs guinéens destinés à la construction du siège de l'Assemblée nationale sur le site de Coloma. Amadou Damaro Camara, qui a toujours rejeté toute responsabilité en la matière, succédera à trois de ses co-accusés dans ce dossier. Des questions ce matin. La possible comparution de l'honorable Amadou Damaro Camara risque-t-elle de mettre la pression sur l'ancien Premier ministre Dr Kassory Fofana, hospitalisé depuis des mois, mais accusé par certains magistrats de la CRIEF d'avoir refusé de se présenter devant cette cour?
question nodale que nous posons ce matin. En Guinée, faites désormais vos comptes. Le vocable « retour à l'ordre constitutionnel » est officiellement remplacé par celui appelé « ordre des trois priorités de la transition ». Le discours prononcé le 21 septembre dernier lors de la 78e Assemblée générale de l'ONU par le colonel Mamadi Doumbia et son adresse à la nation délivrée le 1er octobre sont comme venus officialiser ce choix, car c'est bien d'un choix qu'il s'agit, puisque le chef de l'État a lui-même lâché le mot à la tribune des Nations Unies avant de réitérer et donc assumer le fait que l'ordre précis des priorités de la transition est le suivant, le social, l'économique et le politique. Enfin, ce qui inquiète davantage, c'est quand, en plus désormais de l'appeler président de la République au lieu de président de la transition, le colonel Mamadi Doumbia semble se méfier, voire détester le mot transition qu'il n'a à prononcer qu'une seule petite fois dans son adresse à la nation, un constat aggravé par le fait de n'avoir réservé aucune ligne au chronogramme de 24 mois de transition convenu avec la CEDEAO. La Guinée étant bel et bien en transition militaire depuis le 5 septembre 2021, faut-il désormais parler d'un déni de réalité par le colonel Mamadi Doumbia? On pose la question ce matin. Quel message se cache-t-il derrière cette nouvelle posture affichée par l'homme du 5 septembre 2021? Là aussi, nous poserons le débat. Et puis, levée de 5 000 milliards de francs guinéens par le gouvernement de transition sur le marché bancaire local. On y revient encore ce matin avec cette question. Les explications livrées hier dans cette même émission par le ministre de l'économie et des finances et le gouverneur de la BCRG ont-elles permis de chasser tous les doutes au sujet de cette opération, encore considérée par des spécialistes comme inédite et comportant des risques, notamment sur la politique monétaire du pays? Pas si sûr. Ce qui est cependant sûr, pendant qu'une partie de l'opinion continuera de spéculer à propos, pendant que des esprits qui seront considérés comme retors continueront d'ergoter là-dessus, le gouvernement, lui, à la fin de la journée d'hier, a totalement encaissé les 5 000 milliards qu'il a sollicités des banques et établissements de crédit du pays pour financer une bonne partie de son gap budgétaire de 8 000 milliards de francs guinéens et par cette voie financer, dit-il, des projets infrastructurels prioritaires. Mais le débat est loin d'être clos. Et quelles sont les implications de ce montage financier? Qui du gouvernement ou des banques s'en tirent-ils à bon compte? Nous posons là aussi la question. Et quelles peuvent être les conséquences d'une telle opération sur l'économie guinéenne et sur la politique monétaire du pays? Des questions que nous allons adresser à M. Abdoulaye Guirassy, économiste politologue formé en France et au Canada, détenteur d'un master en économie appliquée et d'un autre en Sciences Po. Il sera notre invité. Il va nous rejoindre sur ce plateau quand il sera 10h. Encore une fois, bienvenue à tous et à toutes. Perchés sur notre mirador en ligne de mire, concussionnaire. Des prédateurs et prévaricateurs passés sous nos fourches cordiers. Perchés sur notre mirador en ligne de mire, concussionnaire. Des prédateurs et prévaricateurs passés sous nos fourches cordiers. Guinéen est fier de notre histoire. Guinéen est fier de notre culture. Guinéen est fier de notre unité. Dans la richesse de notre diversité culturelle, nous trouvons notre force. Le 2 octobre, nous célébrons notre cher pays. Le 2 octobre, nous célébrons nos traditions. Chacun doit jouer un rôle essentiel dans la construction de notre avenir. Bonne fête nationale. Bonne fête nationale. Attention, la date butoir de la vente des vignettes TUV est presque arrivée. C'est le 15 octobre 2023.
passé ce délai, tout achat de vignette TUV sera majoré d'une pénalité de 25% conformément à la réglementation en vigueur. Pour payer vos vignettes TUV, tapez par Orange Money, étoile 144, étoile 4, étoile 8, étoile 4, dièse. Par Mobile Money, tapez étoile 444, étoile 4, étoile 6, étoile 3, dièse. Par Crédit Rural, tapez étoile 1111, dièse. Allez donc vite acheter vos vignettes pour éviter les ennuis avec les agents de la Direction Générale des Impôts et la Police Routière. Ce spot vous est présenté par DSD Guinée en collaboration avec la Direction Générale des Impôts. Mirador, tour de chauffe. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Toute l'équipe au meilleur de sa forme et au grand complet pour vous servir, vous aider à savoir et à comprendre. Vous êtes au rendez-vous de la Guinée tout court. Vous êtes au bon endroit, vous qui êtes aux quatre coins du monde, vous qui vous levez très tôt au petit matin du côté de l'Amérique du Nord, aux États-Unis, au Canada, un peu partout aussi sur d'autres continents pour écouter, en tout cas suivre cette émission sur nos applis, mais aussi sur la chaîne YouTube de Film 24, sur le site internet de la radio, et vous êtes également très nombreux à province sur nos médias partenaires à être connectés à cette émission. Bienvenue à tous et à toutes. Manu, bonjour. Bonjour à Boakar, bonjour à l'ensemble de nos auditeurs et digispectateurs. Bonjour à Dabola, bonjour à Gikedou et bonjour à toute la diaspora. Très bien. Kabi, bonjour. Bonjour à Boakar, bonjour à tous. La SONAPI lance les journées consultatives publiques. On lançait davantage sur le projet de construction de la cité administrative. Donc deux jours vont servir à recruter des entreprises opérant dans le BTP et les... Mais c'est de la pub là. Non, bon, c'est une information. Puisque nous savons. Mais on va te tendre la facture, là. Nous savons pertinemment que. On ne savait pas davantage sur ce projet-là. Oui, la cité administrative de Coloma. Ouais. Donc, ils vont lancer le recrutement d'entreprises locales en vue donc, de réaliser ce projet. Manu était là-dessus. On se demandait où est-ce que le projet était. On nous apprend que les fonds ont été levés et que désormais, on va recruter les entreprises locales. Locales. Pour hâter rapidement ce projet-là. Bien. Et qu'en est-il de Coloma pendant ce temps ça ressemble à un projet éléphant blanc, tout simplement. Mais c'est la cité administrative de Coloma dont je parle. Ah, tu parles. Je pensais que tu parlais de Donka plutôt. Non, de Coloma. De Coloma, ouais. Donc finalement, ce fonds arabe, ou cette entreprise de droit arabe, parce que je ne sais plus comment elle s'appelait, qu'en est-elle? Non, là, on apprend que l'argent a été obtenu, donc ils vont... Obtenu par... Oui, par le consortium qui dirige un peu la levée de fonds. Et la SONAPI va lancer deux jours pour Bien. Recruter des entreprises locales en vue de la mise en œuvre du projet. C'est assez alambiqué tout ça. Mamadouri, bonjour, bienvenue. Bonjour l'influenceur ouest-africain, bonjour à tout le monde. Bien. Monsieur le DDR, bonjour. Bonjour à Boakar, bonjour au PSG de Mbappé, humilié hier par Newcastle en Ligue des Champions, c'est important de rappeler. Faut déballer, parce que il a fait le déplacement jusqu'ici. Parce que tu n'as même pas terminé le match hier à Boubacar. Voilà, tu avais... Mais je vous ai toujours dit que ce n'est pas le club de mon pantelin, ce n'est pas le club de mon village. Voilà. Quand le PSG gagne, c'est ton équipe, mais quand le PSG... Père, ce n'est pas ton équipe. Non, mais non, je n'ai pas non, dit c'est ça. Non, c'est ça la vérité. Non, je n'ai pas dit ça. C'est ça. Donc, voilà. C'est important de... Et je reste un addict du PSG. Et voilà, c'était un accident de parcours. Mais je peux vous assurer qu'on va se relever. On va se relever. On va se relever. Voilà, c'est comme si tu me disais que voilà, c'est mort pour le RPG. C'est pas du tout, c'est pas du tout ce le cas. Ce n'est pas le bon exemple. Le RPG se relèvera... Vrai ou faux? Ça c'est un clin d'œil à ma mère Fofana. Aboubacar, le RPG se relèvera ou pas? Aboubacar, donc je pose la question. Aboubacar, le RPG, quand même, c'est un éléphant. Un éléphant de la vie politique. Pas le débat. Non, mais attendez, c'est un éléphant de la vie politique nationale ou pas? Je te pose des questions ce matin. Non, je ne suis pas obligé de répondre à cette question. Ben voilà. Voilà. Pas de problème. Ce matin, je veux parler, Aboubacar, de cette prétendue rupture de carnet. Nous avons été informés par des citoyens, si c'est une des prétendue agents. Rupture, oui, parce qu'il n'y a pas de rupture. Parler. Non, parce qu'il n'y a pas de rupture, justement, Aboubacar. C'est que nous avons été informés Alors, par... Alors, où est le problème? Oui, nous avons été informés par des citoyens, par des agents de la police qui travaillent sur les machines de Louba, qui représentent la société Iris ici, que les carnets qui servent à l'impression des passeports sont en rupture depuis quelques jours. Alors, on a mené quelques petites enquêtes. Ouais.
À date, il faut dire qu'il y a 15 000 carnets qui sont déjà disponibilisés à Conakry. Ouais. Et bien avant, la dernière livraison remonte il y a 2 mois où 35 000 carnets avaient été déjà livrés. Mais pour le mois de septembre, là seulement, il faut préciser qu'il y a eu 25 000 passeports qui ont été délivrés. Ouais. Donc la demande a augmenté à cause de cette affaire de Nicaragua ou encore de Canada où aujourd'hui, vous avez de nombreux Guinéens qui demandent des passeports. C'est vrai qu'aujourd'hui, la qualité du passeport qui est fourni ne pose pas problème, mais dans la chaîne de délivrance, il y a des problèmes. Peut-être que c'est à ce niveau qu'il faut revoir certaines choses. Donc, pas de panique. Pas de panique, voilà. Pas le feu au lac. Voilà, pas de feu au lac. Il n'y a pas de rupture. Voilà, pas de rupture. Merci donc de rassurer nos compatriotes. Bonjour l'icône, bonjour Bassicolo. Bonjour Baka, bonjour l'abbé Sagny, bonjour du côté de Paris, cabinet. Ouais. Nous sommes écoutés au Château Rouge. Bien. Le club d'écoute filme. À Guinée Exotique, chez Madame Silla, Salimatou Diallo. Bonjour à tous les faux types de la République. Bonjour aux démagogues. Pensez ce matin à ces détenus éternels. Tout le matin. Monsieur Bill Gates, Kassori Fofana, Damaro qui va comparaître. Souvent, on oublie, c'est vrai, et Ibrahim Kourma, hein. Ouais. Mais aussi docteur Yanné. Bien. Et à tous ceux qui sont malades, film pense à vous. Ouais, et bonjour aussi à tous ces anciens hauts commis de l'État qui restent bloqués au pays, dont les documents de voyage restent confisqués et qui ne peuvent aucunement saisir des opportunités qui se présentent à eux à l'étranger. Ça dure et ça devient pesant et insupportable à la fin du compte. C'est hauts commis qui sont contraints aujourd'hui à l'humiliation, dont les familles ne mangent plus. Et les passeports sont bloqués, les comptes sont gelés. Il n'y a pas de justice pour eux, ce sont des Guinéens. Ouais. On est en train, en tout cas, de créer quand même une situation difficile. Une catégorie de Guinéens, des sous-Guinéens, j'ai envie de dire. Il faut les juger, ils ne sont pas coupables de quoi que ce soit pour le moment. Ouais. Leur culpabilité n'est pas établie. Ouais. Ils ont géré le pays. Si vous leur reprochez quelque chose, la justice n'a qu'à faire son travail. Ouais, ouais. Mais c'est pas normal, c'est injuste. Ouais. Ça fait deux ans que ça dure. Ça fait deux ans. Voilà, je pense que le moins qu'on puisse demander au CNRD et à la justice qui a été érigée en boussole de cette transition, c'est quand même de faire la décantation des cas, de trier, de gérer cette situation au cas par cas. Mais pendant ce temps, pour en faire une décantation. Pendant ce temps, deux anciens dignitaires sont au palais. C'est catégorisé, ils sont divisés en deux. Ceux qui respirent le pouvoir d'aujourd'hui sont au palais. Ils sont nombreux, vous les connaissez. Qui est au palais? Non, ils mais dites-nous tout, monsieur. Qui est le chef de file du palais? Et les autres? Il occupe quelle fonction? Vous savez très bien. Mais non, mais je n'en sais absolument rien. Je vous dis, qui est au palais et ses amis. L'ancienne ministre des TP, elle est au palais, elle a dirigé avec les autres. Émilie, bien sûr. Oui. Il y a d'autres aussi qui sont au palais. Mais pendant ce temps, une autre catégorie est écartée, sans passeport, les comptes sont gênés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bien. Leur simple péché, c'est avoir servi la République. Et voilà. Sous Alpha Condé. Sous Alpha Condé. Voilà. Et Alpha Condé est un Guinéen. Voilà. Et on ne peut pas me dire que tous sont coupables quand même, Manu. Non, pas tous ne sont pas coupables. Non, il y a quand même. Il y en a de très respectables quand parmi même. Eux. Et de toute façon, même si. Tous ne sont pas coupables, même monsieur. Même s'ils le taient, pour l'instant, ils sont présumés innocents. Ouais. La présomption d'innocence. Le principe doit être respecté. Ils sont présumés innocents pour l'instant. Oui, bonjour Talibé. Oui. Bonjour le juste. Bienvenue. Bonjour donc au PSG. Ouais. En fait. Bonjour Reçu. Bonjour Reçu. Bien. Vous parlez d'éléphant. C'est un éléphant de mer échoué sur la banquise. Bien. Voilà. Mais qui va se relever. Qui va se relever et qui multiplie ce que vous appelez les incidents ou accidents de parcours. Bien. Chaque saison, c'est la même chose. Bien. Franchement, je ne sais plus quelle solution trouver pour ce PSG. Bien. Mais tu n'as pas à te soucier pour nous, monsieur. Oui. Voilà. Vous savez pourquoi je m'en plains? C'est que quand le PSG est battu, vous êtes de travers, monsieur Diallo. Voilà. Ce matin, on vous parle de la cité administrative de Koloma, vous ne comprenez pas de quoi on parle. Alors que, même hier, le ministre de l'économie et des finances, je crois bien, disait qu'on avait dégagé 1000 milliards, justement, dans le cadre de la réalisation de cette cité administrative. Bien. Monsieur, revenez à nous et en tout cas, mettez mettez Mirado au-dessus du PSG. Voilà. Bien, alors il m'a assommé là. Aiguillonné par la nécessité d'éclairer une opinion publique de plus en plus. Mirador, tour de chauve.
nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Allez, donc à présent, on va se remettre dans le cœur du réacteur Mirador pour mieux vous servir. Voilà, merci encore une fois de votre confiance. Manu, on s'intéresse à cet incendie qui est survenu hier plutôt, au Trésor public. Oui, on a été surpris dans la journée, aux alentours de midi, 11h environ, d'apprendre qu'un incendie s'était déclaré à l'immeuble qui abrite le Trésor. Ouais. Et la comptabilité publique, ouais. La direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Ouais. Évidemment, ça inquiète parce qu'on parle quand même du Trésor. Il y a eu beaucoup de spéculations, beaucoup d'inquiétudes, surtout comme je le disais tantôt. Et surtout pour ceux qui étaient sur le terrain, on a vu quand même une très forte mobilisation du ministre du Budget, le ministre des Finances, le ministre secrétaire général à la Présidence. Beaucoup de ministres sont venus, comme si la caisse brûlait. Ouais. La caisse commune. La caisse commune brûlait. Ouais. Il y a eu, cette surcroît, ce branle-bas de combat. Ouais. Justement. Ouais. Mais après, le ministère des Finances a fait un communiqué pour donc tenter de rassurer les gens en précisant d'abord que l'incendie a démarré aux environs de 11h et qu'il s'est déclaré effectivement dans les locaux de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique, précisément dans l'un des bureaux du deuxième étage où se trouve l'équipement de connexion au réseau. Ouais. Donc, peut-être quelque part la salle des serveurs. Mmh. Et puis on nous annonce que d'abord on a procédé à l'évacuation du personnel et les services de protection civile sont intervenus pour maîtriser l'incendie. Pour ce qui est maintenant des éventuelles conséquences que cela a pu avoir, le ministre de l'économie et des finances a rassuré que l'incendie n'a pas eu d'impact, selon lui en tout cas, sur les principales installations du système d'information, notamment il parle du système comptable intégré de l'État, le SCIE, et puis également aucune victime parmi le personnel. Et ensuite, on annonce que des dispositions seront prises pour la reprise rapide du service donc au niveau de cet immeuble. Maintenant, moi, il y a un certain nombre quand même d'interrogations. Mmh. Ça c'est le communiqué officiel. Ouais. Un certain nombre d'interrogations qui taraudent quand même mon esprit, c'est comment est-ce qu'on peut avoir une salle, par exemple une salle de connexion au réseau, sans en prévoir un dispositif anti-incendie. Et puis on parle quand même du Trésor et de la comptabilité publique. Mmh. C'est le cœur du système financier guinéen pratiquement. Ouais. Ouais. Et normalement on ne doit pas avoir un dispositif pour riposter aux incendies. Ouais. On doit avoir un dispositif pour prévenir les incendies. Tout à fait. Vous savez, même votre petite salle de serveur de film ici ouais. a un dispositif anti-incendie. Ouais, mais tous les couloirs, après, toutes les installations. Ouais. Justement. Ouais. Après, on parle quand même d'un bâtiment comme le Trésor public et qu'un incendie de ce type, parce que la fumée, la grosse fumée noire qui s'échappait hier de sa fenêtre, elle a de quoi inquiéter. Tout à fait. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on a pris en amont comme disposition ouais. pour éviter que cela arrive? Et après, l'autre interrogation, c'est pourquoi c'est cette salle? Généralement, vous savez, on peut avoir un incendie dans un bureau, ça, c'est encore plus facile à comprendre. Ouais. Mais en Guinée, le plus souvent, ce sont les salles où les informations sont stockées ouais. que les incendies se produisent. Tout à fait. Et c'est inquiétant. Pour moi, c'est inquiétant. L'autre fois, j'étais en train d'ailleurs d'ironiser pour dire que quand le Premier ministre a annoncé la digitalisation du processus de passation des marchés publics, a dit attention, l'administration guinéenne est pleine de sorciers. Ouais. Vous aurez des gens qui vont vous provoquer un bug. Vous aurez des gens qui vont vous dire que le logiciel n'est pas bon et vous en aurez parfois qui peuvent provoquer des incendies pour brûler soit des preuves, soit des traces, je ne sais quoi. Mais moi, ça m'intrigue d'apprendre que la salle des serveurs du Trésor public n'a pas de dispositif anti-incendie. Oui, mais est-ce que vous avez pris, le temps de vérifier si cette salle n'est pas dotée de dispositif anti-incendie? Mais Aboubakar, si l'incendie s'est produit et qu'il a fallu des sapeurs-pompiers pour la maîtriser, c'est parce qu'à l'intérieur, le dispositif, soit il n'existe pas, soit il n'est pas performant. Ou soit il est défaillant. Voilà. Sinon, un dispositif anti-incendie, dès qu'il se déclenche, il éteint le feu. Bien. Le maximum. Mais moi, je dis encore, pendant des minutes, la grosse fumée noire qui s'échappait de ses fenêtres, moi, personnellement, ça m'intrigue. Bien. Et surtout que c'est une salle sensible. On dit qu'il n'y a pas eu d'impact, mais le service ne va pas recommencer tout de suite. C'est qu'il y a eu impact. Bien. Allez-y, Mamadoui. Je crois qu'il y a des précédents pareils qui n'ont pas connu, si vous voulez, de fin d'enquête et de situation de responsabilité. Ouais. Et comme il a dit, ça arrive à des secteurs assez sensibles de la chaîne de l'économie. Ouais.
La dernière fois, c'était, je crois, à la direction nationale du budget. Et c'est là où on planifie, si vous voulez, les paiements, le budget de l'État et tout le reste. Et quand c'est arrivé, je crois qu'on a dû perdre aussi des données à l'époque. Je crois que ça devait être sous Alpha Condé, quelque chose comme ça. Jusqu'aujourd'hui, on ne nous a pas dit en réalité, après enquête, ce qui s'était passé, qui en était responsable. Parce qu'en pareille circonstance, il faut justement situer les responsabilités. Si cela est dû à des mauvaises installations, qui a fait le travail? Qui a embauché celui-là qui a fait le travail? Rien n'a été fait à l'époque. Ouais. Malheureusement, j'ai l'impression que c'est la même chose qui continue à la direction donc, du Trésor. Qui est-ce qui a procédé à l'installation électrique de ce côté? Quelle est l'entreprise qui a d'abord construit ce chantier? Est-ce que le dispositif de sécurité, comme il l'a dit tout à l'heure, anti-incendie, il a été prévu ou pas? Je pense qu'on a besoin des réponses après cet incendie. Dieu merci, comme on nous l'a dit pour l'instant, qu'il n'y a pas eu de feu aux équipements essentiels, en attendant de savoir si cela est tout à fait vrai. Il y a quelque chose d'autre de plus intrigant à ce trésor-là que je voudrais quand même relever ici, au-delà de cet incendie à Boubacar. C'est quand on vous dit, par exemple, qu'au trésor, il y a tout un dossier qui peut disparaître. Ça n'a rien à voir avec les incendies. Les dossiers de paiement. Donc les données ne sont pas digitalisées je ne sais au trésor. En fait, on peut appeler un opérateur économique et puis on vous dit bon, écoutez, votre dossier de paiement a disparu. Vous êtes obligé de reprendre le process. Alors que déjà, les gens auront mis déjà des années, voire un an ou des mois à suivre leur dossier de paiement. Après un beau jour, on vous dit non, on ne retrouve plus le dossier dans le circuit. Allez-y reprendre le travail. Dommage. Oui, c'est des choses qui arrivent au trésor et c'est important que le directeur général de ce côté fasse une communication pour nous dire qu'est-ce qui fait que ça bloque souvent sur, dans le circuit du trésor. Au trésor aussi, il y a un autre phénomène de rétention. Je ne sais pas si je peux appeler ça dans mon vocabulaire OP, ordre de paiement, ou est-ce qu'ils ont un vocabulaire consacré. Mais quand le dossier est prêt à être payé, c'est là qu'on le bloque en réalité. Pour quelle raison, on ne sait pas. Mais c'est des choses auxquelles il faut mettre fin, justement pour que ça marche. Bien, oui, Lincoln. À 5 secondes, une seule question à Boubacar. Pourquoi dans l'administration publique guinéenne, les incendies ne se déclarent qu'au niveau des douanes, des impôts, au niveau du budget et du trésor? Pourquoi c'est là-bas seulement? Est-ce qu'auparavant, il y a eu un incendie aux impôts? Dans l'histoire de la Guinée, les incendies, c'est juste trésor, budget, impôts et douanes. Oui, mais il y a eu un incendie par le passé à la CENI et ailleurs. Je vous dis pourquoi. C'est ça. L'icône, Talibé. Oui, quand vous lisez le communiqué du ministère de l'Économie et des Finances, il nous rassure donc que la reprise, toutes les dispositions sont en train d'être prises pour la reprise des activités au sein de ce service et tout ça. Mais quid de la suite? Est-ce qu'il y aura une enquête? Parce qu'en pareille circonstance, vu tout ce qu'il y a comme commentaires, supputations et suspicions, il faut qu'il y ait une enquête pour justement interroger l'origine de cet incendie, les circonstances, et donner des explications crédibles, des explications vraiment cartésiennes. Pour vous, ce communiqué du ministre de l'Économie et des Finances n'est pas suffisant. Il est incomplet. Incomplet. Alors, est-ce que ça veut dire que pour le moment, l'idée d'une enquête est écartée? C'est pourquoi le ministère de l'Économie et des Finances n'en parle pas? Ou est-ce que c'est une omission? Est-ce que finalement le service de la protection civile est intervenu et a donc mis en place une opération pour enquêter sur ce qui s'est passé? C'est des questions à se poser parce qu'on ne peut pas tout simplement dire que nous allons remettre les installations en l'état et rendre fonctionnels les compartiments qui ont été affectés par cet incendie. Donc, il faut aller à une enquête police et policière et judiciaire qui puisse permettre justement d'en savoir plus. Dans un contexte surtout où on nous annonce que le même jour, on aurait le complément de 5 milliards. De 5 000 milliards. Donc,
tout cela ne rassure pas. Et vous savez déjà qu'il y a un déficit de confiance à nos dirigeants en ce qui concerne la gestion de nos deniers. Bien. Donc, c'est un incendie miraculeux, mystérieux. Voilà. On n'en finira pas de s'interroger tant que des explications claires et crédibles ne nous auront pas été données. On reste sur nos fins là-dessus. Rentrée scolaire, Lincoln, la question du voile qui risque d'impacter des milliers de plusieurs jeunes filles qui ont l'habitude de porter le voile, la burqa sous d'autres cieux en France notamment. Et il y a aussi la question des enseignants contractuels qui reste un sujet central qui alimente les débats à l'occasion de cette rentrée scolaire, tout comme d'autres défis comme celui des tables bancs, en tout cas des entrants scolaires. Oui, beaucoup de problèmes. J'ai comme l'impression que la rentrée n'est pas bien préparée puisque à partir de lundi, les anciens contractuels pourraient commencer à manifester à l'intérieur du pays parce que jusqu'à présent, leur cas n'est pas réglé. Mais aujourd'hui, la grande crise est liée à cette interdiction du voile à Boakar. Ouais. Et dans un pays à plus de 80% de musulmans, si on s'attaque à une telle pratique, je crois que ça fait aujourd'hui débat dans tous les milieux. C'est comme en Europe, vous demandez aux chrétiens de ne pas porter la croix, la chaîne avec croix, pour aller à l'école. Ouais. Aujourd'hui, vous savez, on a dit une fois dans cette émission que de telles mesures devraient être réservées aux examens nationaux. Mais demander, par exemple, aux musulmans, aux écoles franco-arabes ou à d'autres écoles, au fil de ne pas porter le voile aujourd'hui, c'est comme une sorte d'atteinte à l'islam pour certains. Parce qu'on a parlé avec beaucoup de personnes qui ne seraient pas du tout contentes avec une telle décision. Ouais. Pour eux-mêmes, c'est l'attaque contre l'islam. C'est pourquoi on a dit à un moment donné que... Ce qui n'a pas été précisé, justement, Lincoln, c'est le type de voile. Je ne sais pas si tu peux nous aider là-dessus, cabinet. Est-ce que c'est le voile intégral ou le demi-voile? Qu'est-ce qui est exactement interdit par Guillaume? Bon, c'est ça la question. Non, mais je pense d'ailleurs que c'est plutôt le voile. Voile on va d'ailleurs tenter de le joindre parce que hier déjà il avait donné son accord. Et on va essayer donc de l'interpeller ce matin pour qu'il nous donne des explications sur cette question. Allez-y, Kabine. Oui, il faut qu'il nous dise effectivement quel type de voile est interdit. Est-ce que c'est le voile intégral ou c'est celui à demi-intégral pour qu'il nous dise. Parce que moi je demande à Boakar quelle est l'opportunité dans le contexte guinéen d'introduire une telle mesure. Ouais. Ailleurs ça se comprend, mais il faudrait pas qu'on nous importe ici des problèmes qui se posent ailleurs et qui sont d'un point de vue sociétal assez contraignant. Ouais. Je crois qu'on fait dans du copier-coller sans appréhender effectivement les approches sociologiques et même d'ordre religieux. Et je pense que là-dessus, on aurait pu, par exemple, moi je comprends quand on dit que les gens ne viennent pas à l'école avec des coiffures vulgaires, encore une fois, quoi qu'il faut définir c'est quoi une coiffure vulgaire. Je pense que, comme je l'ai dit récemment ici, il faut édicter une fiche pour expliquer chaque décision. Ouais. Chaque item doit être expliqué. Parce que si on n'explique pas, le problème c'est que une coiffure vulgaire peut être comprise telle dans une école et comprise autrement dans une autre école. Donc il faut aller au bout de la démarche et expliquer aujourd'hui pourquoi. Puisque ailleurs, on interdit ces signes religieux. Et d'ailleurs, on parle d'ailleurs de signes ostentatoires. Ouais. Est-ce que le port du voile, est-ce que le voile est un signe ostentatoire? Donc, il faut aller plus loin. Très bonne question. Je ne sais pas si vous avez lu cette tribune de ce professeur, cet enseignant, Ibrahim Massaré, PhD, porte-parole de l'Union des écoles franco-arabes de Guinée, qui, à travers sa tribune, explique que pas moins de 41 000 jeunes filles sont menacées d'abandonner l'école en Guinée à cause de l'interdiction du voile. C'est très, très sérieux. C'est de ça que je parlais avant. Très sérieux. Il y a des écoles franco-arabes dans ce pays. Et qui parle de mimétisme, parce que pour lui, suivant l'interdiction de la burqa aux élèves en France cette année, la Guinée s'aligne automatiquement pour l'interdire également par le communiqué numéro 15 du département de l'éducation. Avocat, c'est la grande interrogation. Beaucoup estiment même que c'est l'atteinte contre l'islam. Il faut éviter de telles mesures. Nous ne sommes pas en France. Nous sommes pratiquement en Guinée où il y a plus de 80% de musulmans. Mais Abakar, en dépit peut-être de l'interdiction liée Wall, mais il y a aujourd'hui les problèmes d'inscription. Il y a des écoles primaires publiques qui demandent aux parents qui inscrivent leurs enfants
en première année de payer 150 000 francs guinéens. Ouais. On exige à certains parents de payer des tables bancs. Il y a même aujourd'hui au niveau. C'est le cas à Mamou. J'ai lu un article sur Guinée News dans lequel on rapporte que qu'à Mamou aujourd'hui, un table banc se négocie à 500 000 francs guinéens. C'est une réalité qui date. C'est une réalité qui date d'il y a longtemps. Moi, j'ai inscrit un de mes neveux il y a quelques années. J'ai dû payer justement le table banc, les frais du table banc. Hein? J'apprends qu'à l'école primaire d'Abdallaye, sur la route Le Prince, pour inscrire un enfant en première année, j'ai eu la plainte d'un parent, il faut payer 150 000 francs guinéens. Mais allez au niveau des écoles privées, par exemple. Les écoles, la norme UNESCO, c'est à peu près 25-40 dans une classe. Mais aujourd'hui, beaucoup d'écoles privées, c'est comme des écoles publiques où vous avez les effectifs pléthoriques. Moi, je crois qu'il y a tellement de problèmes aujourd'hui par rapport à l'ouverture qu'on devrait nous aider vraiment à avoir tout ça. On parle d'un manque criard de tables bancs chiffré à 235 000 tables bancs qui manqueraient donc à l'école guinéenne à l'occasion de cette rentrée. Et au même moment, 18 700 enseignants manqueraient également à l'appel. Et 5800 écoles sont sans eau ni latrine. On aurait pu régler tout ça. Il y a aujourd'hui des fonds qui sont sortis pour financer la rénovation des maisons qui existent, la construction des maisons qui n'en valent pas la peine. Pendant ce temps, on sait qu'avec l'ouverture, il y a des problèmes qu'on peut régler. Ouais. Mais très malheureusement, on préfère négocier des marchés pour avoir plein d'argent en poche et nourrir des entreprises qui viennent de naître ainsi de suite. Je crois qu'il y a assez de problèmes qu'il faut régler. Tout porte à croire que voilà, on ne s'est pas très bien occupé. Hein. Cette rentrée n'a pas été bien préparée par Guillaume et ses équipes. Le ministre Guillaume nous doit en tout cas des explications. Ouais. Quelles sont les dispositions? Voilà, on tente de l'avoir malheureusement. Voilà, il est totalement off ce matin. Allez-y. Quelles sont les dispositions qui ont été prises? Moi, je sais très bien que il a fourni suffisamment d'efforts pour organiser les examens. Les examens. C'est pour cela qu'on l'appelle derrière le ministre des examens parce qu'il met tout son effort pour cirer les examens. Mais qu'est-ce qu'il a fait durant les 3 mois de vacances pour réussir la rentrée scolaire cette année? Moi, je rappelle par exemple la situation des anciens contractuels. C'est très, très sérieux. C'est une situation assez délicate. Ouais. On a eu dans le Grand Virage ici l'un des porte-parole de ces anciens contractuels qui nous dit aujourd'hui que le gouvernement leur doit un peu plus de 400 milliards de francs guinéens, ce qui représente 9 mois de salaire impayé et 12 mois de primes qui n'ont pas été pris d'arrêt de prime. La situation, comment vous pouvez faire travailler? Moi, c'est qui me cœur à boire. Ouais. Mais comment se fait-il que travailler? Parce que ça devient quand même, Bassico, ça devient un sujet auquel on n'arrive pas à trouver des solutions. Non, mais ça date du régime d'Alpha Condé sous le CNRD, on est incapable de faire face à une telle situation. Moi, ça me paraît assez ahurissant. Et on apprend que le CNT avait ordonné. C'est pas quand même un problème insoluble. Oui, le CNT avait demandé au gouvernement de procéder au décaissement de 7 milliards de francs guinéens pour venir en aide à ces anciens contractuels. Comment peut-on faire travailler des pères de famille, des mères de famille qui acceptent d'aller au fin fond du pays reculer, mais qui travaillent pendant toute une année scolaire, mais avec rien. Le ministre de l'administration du territoire, de la décentralisation, Mori Kondé, moi je veux bien l'entendre. Mmh. Il a annoncé des dispositions ici dans l'émission Mirador concernant les préoccupations qui ont été soulevées par les anciens contractuels, mais à date, rien n'est pris. Pendant ce temps, c'est des milliards qu'on a injectés pour l'organisation de la fête de l'indépendance ici, une fête militaro-militaire, comme Talibé le disait. Mmh. Et pendant ce temps, les anciens contractuels continuent de tirer le diable par la queue. C'est une situation d'urgence humanitaire. C'est une urgence humanitaire pour les anciens contractuels. Il faut que le gouvernement sorte des discours creux parce que ça ne sert à rien. Les anciens contractuels aujourd'hui, sincèrement, je te dis qu'il y a même certains aujourd'hui qui sont tombés malades. Il y a des cas de divorce dans certains cas. Parlez avec ces anciens contractuels. Ça ne coûte à rien à l'État aujourd'hui de débloquer des fonds nécessaires. Et puis, la conséquence de tout ça, Aboubakar, c'est qu'il y a plusieurs localités aujourd'hui. La rentrée scolaire est compromise parce que vous avez des localités où ce sont les anciens contractuels qui assurent l'essentiel des cours. Ouais. Alors, dans ces localités, comment on va aujourd'hui reprendre la rentrée, les cours dans un tel contexte? Je pense que le premier ministre chef de gouvernement doit prendre à bras le corps la situation des anciens contractuels. Moi, je l'interpelle personnellement à ce que des dispositions soient prises pour régler la question
financière liée à la situation des anciens contractuels. C'est une situation qui est inacceptable, Aboubacar. Merci, Bassego. Et sur la question du voile, spécialiste du terrorisme qui nous signale, c'est ce qui nous dit ceci, ce sont des mesures attractives de la menace terroriste. Ce sont là des arguments sur lesquels surfent régulièrement des terroristes pour avoir des soutiens. Attention, la menace n'est pas loin. Oui, Talibé. Pas nous attirer des ennuis dans ce pays. Oui, allez-y, Talibé, très rapidement. Dans les discours officiels, dans ceux du colonel, de façon récurrente, la question de la jeunesse est présentée comme une priorité. Ouais. Et la jeunesse, son reflet, sa matrice, c'est d'abord l'école. Bien sûr. Et aujourd'hui, on nous apprend qu'il y a autant de table banques qui manquent. Dante qui projetait ici les images d'une école avant-hier, du côté de Kobaya Plateau, où il n'y a pas de fenêtre. Mm. Où il n'y a absolument rien. Ouais. Effectivement. Quand il s'agit, c'est-à-dire qu'il y a même l'école politique, où la politisation, la question de l'école. Mmh. Le cas de la résidence de Selou Dalain, on a vu ici, en quelques 5-6 mois, ouais. Une école... Sortir de terre. Somptueuse sortie de terre. Ouais. On nous a parlé de 12 milliards, je crois. Ouais. Sans jamais nous dire comment on a pu injecter autant d'argent. Ouais. Ça aurait pu être une université bien avec sûr. 12 milliards. Ouais. Donc, on a réussi à bâtir une telle école, mais les écoles hameaux, les écoles hangars, les écoles baraques. Ouais. Non, mais j'ai l'impression, Talibé, qu'il n'y a pas eu de travaux de rénovation. Est-ce que vous en avez constaté mais ou pas? Mais pas que ça, mais Aboubacar. Je pense qu'il n'y en a pas eu du tout à cette rentrée scolaire. Mais Aboubacar, quand on nous dit qu'on a construit des écoles. Il y en a eu ou pas? Aboubacar. Mais Aboubacar, quand on nous dit qu'on a construit des écoles, je vais apporter cette précision. Vous avez des localités à l'intérieur du pays ici où les élèves parcourent des kilomètres encore pour se rendre dans les établissements scolaires. Moi, je connais par exemple la situation de Boké, précisément vers Sansalé, où les élèves parcourent des kilomètres. Je ne sais pas qu'est-ce qui a été fait aujourd'hui pour réaliser des infrastructures scolaires dans ce pays, mais encore une fois, comme Talibé l'a dit, puisque le gouvernement, le président de la transition, dit que la jeunesse est au cœur de ses préoccupations, et que si c'est ça, ce discours-là n'est pas en train d'être reflété sur le terrain parce qu'il y a des problèmes aujourd'hui concernant l'école guinéenne. Bien, oui, Manu. Premièrement, moi je vais commencer par la question du voile. Ouais. Je pense que c'est un problème qu'on soulève, ce n'est pas une solution qu'on apporte. On est plutôt en train de soulever un problème parce que nous sommes un pays, il faut le reconnaître, nous sommes une république laïque, mais nous sommes une société majoritairement musulmane. Ouais. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est que celles qui portent le voile appartiennent à une société profondément islamique et généralement, c'est un choix qu'elles font. Ouais. Les filles ou les femmes qui le font, c'est un choix qu'elles font. Il y en a parmi elles qui sont mariées et les exigences de leur foi les obligent à porter le voile. Bien. On ne peut pas interdire le voile. Il faut arrêter ça. Ça fait partie de notre société. Mmh. Je le peut-être disais, le voile intégral, Manu, non, ça peut se comprendre. Intégral ou pas, non, au cours Manu, des examens, non, à Boka. Non, Manu, toi-même, tu ne peux pas être d'accord. Qu'une femme se voile intégralement. Au moins, pour ma part, dans ce que le subconscient collectif peut accepter, c'est le demi-voile. C'est-à-dire que le voile simple, qui permet d'identifier la personne, qui permet de dévisager la personne. C'est important, Manu. Tu peux pas quand même venir complètement en ninja dans une construction scolaire. Moi, je dis, Aboubacar. C'est problématique, cela. Moi, je dis une chose. Dans un contexte de terrorisme, à outrance. On va s'attirer des ennuis dans ce pays. Quand les examens arrivent, on fera tout pour dévisager tout le monde. Mais pour l'instant, moi je dis encore une fois, quand une femme ou quand une personne a fait le choix de se voiler, entièrement. À mon avis, entièrement. C'est un choix que les gens font. Non, mais Manu, tu peux pas soutenir cela. Il faut respecter le choix des gens. Aboubacar, généralement, il est basé sur des convictions religieuses. Si vous ne voulez pas toucher aux sensibilités, laissez les convictions religieuses. Manu, Je dis quand même, Aboubacar, si vous voulez interdire le voile à l'école, mais est-ce que vous allez l'interdire aux écoles franco-arabes? Elles ont fait le choix.
Ce sont des écoles qui ont fait le choix de fonctionner de cette manière. Moi, je veux bien qu'on se comprenne. C'est comme cela que c'est important que le ministre Guillaume prenne la parole pour nous dire. Mais c'est important. Je suis d'accord avec vous, mais je vais terminer. Quel est le modèle ou le type de voile qui est interdit et quel est le type de voile? Je termine, avocat. Je pense que c'est le voile intégral qui est interdit. Le voile simple est admis, je pense. Je vais terminer rapidement. Allez à chose. Parce qu'on parle de l'école guinéenne. Ouais. Je prends l'exemple, je n'ai rien contre elle. Je prends l'exemple de l'école française Albert Camus. Mm. Ils ne viennent pas en tenue là-bas. Pourtant, l'école guinéenne exige la tenue. Ouais. Le ministre doit les exiger de porter des tenues. Ouais, ouais, ouais. S'il veut être ministre juste. Bien sûr, parce que c'est comme l'école de mes enfants. Guinéenne. Ils ne portent pas de tenue. C'est pourquoi j'ai jamais vu cela, sincèrement. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a des écoles qui ont fait le choix de fonctionner d'une telle manière. Il faut respecter cela. On vous dit qu'il y a 41 000 filles qui sont menacées par ça. Ouais. Parce que, je vous dis, c'est une question de conviction religieuse. Mm-hmm. Elles ont fait le choix de porter le voile. Vous leur demandez de ne pas porter le voile. Elles ne veulent pas que leur visage soit vu par d'autres hommes. Elles ont choisi d'aller à l'école franco-arabe. Vous dites que là-bas aussi, elles ne doivent pas porter le voile. Ben, vous leur demandez de rester à la maison, tout simplement. Ouais. Et après, il y a quand même des programmes, programmes et des projets que vous cherchez pour encourager les filles à venir à l'école. Moi, j'ai dit que quand les examens arrivent, puisqu'on est obligé d'identifier les candidats, en ce moment, on peut appliquer une telle mesure. Mais pour l'instant, les gens qui ont fait le choix de porter le voile dans la société qui est la nôtre, il faut respecter ce choix, à mon avis. Sinon, on va soulever des radicalismes et encore une fois, c'est un terreau fertile pour moi à une radicalisation. Bien. Parce que c'est la foi, c'est la religion. Ouais. Il suffit que vous y touchez pour qu'on dise que vous êtes un cafre. Bien. Et quand on vous traite de cafre, on va vous combattre. Ouais. Et notre République n'a pas besoin de ça. Nous pouvons être malheureusement un jour des victimes collatérales, des dommages collatéraux de tout cela. Mais on n'a pas demandé. C'est pourquoi on dit au ministre que notre école, elle est laïque. Laïque veut dire elle ne rejette pas tout. Mmh. Laïque veut dire plutôt elle accepte tout. Bien, même s'il faut relativiser. Cabinet. Non mais Aboakar, vous savez, là où on interdit, les pays où on interdit les voiles ou autres signes ostentatoires, c'est parce que c'est un problème. Chez nous, ce n'est pas encore un problème. Mmh. Je veux dire qu'en termes d'opportunités, de choses à régler, mais que M. Awing nous trouve les 325 000 tables. Vous n'avez pas d'école et vous fatiguez les gens avec Il demande au colonel de prendre sur son budget de souveraineté. Qui a explosé. Pour qu'on paye ces tables-là. Mais c'est cela d'abord la priorité. C'est pas les histoires de voile, machin et tout ça. Quand vous prenez par exemple, on vous dit que les gens ne portent pas les chaînettes. Mais sincèrement, est-ce que ça c'est un problème? Et puis Aboubakar, il y a même un problème. Bien sûr, quand même. C'est un signe de légèreté quand même. Oui, mais sauf que là-dessus. Non. Bien. C'est un exemple entre d'autres pour dire. Oui, mais la personne est d'accord avec toi. Pour dire quoi? Il y a. Oui. Quand vous regardez un peu les items qui sont dans la décision de M. Awing, vous vous rendez compte que c'est très léger. Parce que. Ça n'a pas été suffisamment de travail ailleurs. Lorsqu'on doit interdire, vous avez des sociologues, des gens, des intellectuels qui réfléchissent sur ces questions. Quand je prends par exemple, je tiens vraiment à cette histoire de chaînette. Je dis ceci. Si la question... Les chaînettes te plaisent bien. La question des chaînettes était suffisamment réfléchie, on aurait su... On va t'inviter dans Gossip. Avec plaisir, Aboubakar. On aurait su aujourd'hui que ceci n'appartient plus aux mœurs légères. Ça appartient à de la féminité. C'est un signe de féminité. Bien. Et sans prendre à ça comme ça. Oui, bon, enfin, mais c'est pas mauvais en soi. Allez-y. Mamadou, pour clore. Le chénétiste. Bien. On va dire. Non, en fait, Aboubakar, il y a une remarque que je vais faire en 30 secondes, très rapidement. Oui. Guillaume, sur certains aspects, certaines choses, je l'apprécie toujours positivement. Oui. Parce qu'en fait, il a un certain nombre de résultats, quand même, qu'il faut noter. Oui. Mais ce qui me choque, c'est quand même, quelqu'un qui ne veut pas du tout prendre la parole, parce que ce que j'ai constaté, pratiquement, pour s'expliquer sur des sujets comme ceux dont on est en train de parler aujourd'hui. Ouais. Et moi, je me rappelle
il y a quelques peut-être années en arrière, ben c'est des gens qui couraient après les émissions pour venir parler de leur parti politique ou je ne sais quoi. C'est quand même bizarre qu'aujourd'hui, on ne veuille même pas prendre la parole pour s'expliquer. Ah, il a un parti politique à l'époque. Vous ne saviez pas? Non, mais non, pas du tout. Ben voilà. Secondo. Donc, chacun pourrait être candidat. Chacun a un parti. Il avait un parti, on l'a reçu ici. Ouais. Dans Tolko. Oui, bien sûr. Oui. Et je me rappelle bien. Voilà. Okay. Ouais. Et ça courait après Tolko en ce moment. Oui. Évidemment. Et ça, ça me choque en fait. Parce que, indéfiniment, bien. Il ne veut pas prendre la parole. C'est pas compréhensible. C'est deuxièmement, dommage. Je termine. En fait, je suis d'accord avec le cabinet que sur certains sujets qui soient assez sensibles, dans d'autres pays, même en France, quand on pense qu'on l'a interdit, ça fait l'objet d'abord de débats. Ouais. Et puis, même de vote à l'Assemblée. Ouais. Après, on prend des décisions. Ici, au moins, sur certains sujets sensibles, on aurait pu ouvrir un débat et savoir quelles décisions peut-être on prendrait. Peut-être même un débat national. Et je comprendrais au moins qu'on interdise ça dans les écoles 100% publiques et qu'on l'admette dans les écoles qu'on appelle franco-arabes parce qu'ils ont décidé d'adhérer à cette forme d'éducation. Ouais. C'est comme les moines, c'est mon avis. Bien. Vous avez l'école des moines ici, à Doubreka. Ah bon? Le séminaire, par exemple, quand vous allez en séminaire, c'est les moines qui enseignent. Bien. Et ils ont leur accoutrement aussi dans ces écoles. Est-ce qu'on va leur interdire aux moines de porter aussi leur boubou de moine avec tout ce qu'il y a comme apparat autour? Je pense que ce sont des questions qu'il faut faire assez attention avant de prendre des décisions. Bien. Le franco-arabe n'est pas une école religieuse. Il faut le dire. Bien. Allez, on va poursuivre le débat tout à l'heure. Et pendant ce temps, vous pouvez continuer le débat chez vous sur cette question du voile. Nous, on revient dans moins de 10 minutes pour évoquer cette tournée de la première dame qui était hier du côté de l'abbé. On parle là aussi des deux récentes sorties du colonel Mamadou Doumbia dans lesquelles il n'a aucunement mentionné la question du retour à l'ordre constitutionnel. Ça fait débat au sein de la classe politique et au sein de l'opinion publique guinéenne. On revient dans quelques minutes. Oh, vraiment? Allô? Oui, mon fils. Ça va? Ça va bien? Qu'est-ce qu'il y a encore? Vous là, tout le temps, c'est comme ça. Problème de l'école, problème de dépenses. Maintenant, vous voyez, crédit de l'arnoir à crédit, moi, la Guinée, en quoi tant qu'on a quelqu'un. Ou à quoi vous voyez, il y a des limites. Et c'est l'école, ça défie immédiatement, il dépense une gaïra. Voilà, mais. Ah, ouais, il y a une fondation, papa, ça crée ça, rien. Ah, ouais, d'accord. Il y a quelqu'un de moi, même. Dumé. Voilà, d'abord, c'est gars. 1 million, hein. 1 million, il y a un gars qui a des dons. Bien. Super. Ndar assalamu alaykum. Wa alaykum ah khala foye. Non. Araba. Araba ci. Ni no ko he. Moni gade na de passer ko sa. Mouri na ki. Aha. Ndar ko to fleki na faari. Ko he. Ndia fe mo vient fo ko ki. Fo kam charge. Da ko e fure mo bi be ki. Ko la di ko to fil bu na da. Credit ran na ga credit moni. La Guinée be. Et n'a pas dit que je ne suis pas un compte fil modèlement. Il doit dire que je suis un concon, il doit dire que je suis un direct, je suis un direct. Vous voulez que je sois un minima? Direct. Non, je suis un peu. Ah, il m'a dit, rien là. Étoile, 11, 11, 10, ok. 10, ok. Abara sega? Ah. Abara yo atalanda ki. Ayo. Ah. Mais sonia. Ah, mais dit sonia bela kenara. Credit de la Guinée, ana credit money, la Guinée be, wone fulugi. Crédit rural de Guinée, ensemble, travaillons pour notre réussite.
Avec Milkana, vivez des moments de bonheur et de douceur avec vos enfants. Offrez-leur le meilleur, les délicieux desserts Milkana. Découvrez leur nouvelle recette extra crémeuse, source de protéines, avec de vrais fruits mixés et du bon lait de vache. Comme avant, ils vous accompagnent toute la journée, même hors du frigo. Milkana, la force du lait, la force de l'amour. Le groupe scolaire La Licorne, situé au quartier Yimbaya Bougie dans la commune de Matoto, vous ouvre ses portes dès la prochaine rentrée des classes. Constitué d'une crèche, de toutes les sections de la maternelle et du cycle primaire, avec à la clé des enseignants compétents. C'est des salles de classe spacieuses, aérées, décorées et climatisées, dotées de tableaux bancs. C'est aussi des dortoirs, avec toutes les commodités ainsi que des toilettes d'une très grande propreté. En plus d'un espace toboggan, une aire de jeu en sous-sol des plus modernes de la sous-région. Et une cantine pour la restauration de vos enfants. En plus, la direction de l'école met gratuitement à la disposition des élèves de la maternelle toutes les fournitures durant l'année scolaire. Les places étant limitées et les inscriptions des élèves ayant commencé depuis la première quinzaine de ce mois de juin, rendez-vous vite à la direction de l'école pour connaître les modalités d'inscription de vos enfants. Avec un taux de réussite exceptionnel de 98% à l'examen d'entrée en 7e, 88% au BEPC, ainsi qu'un solide taux de réussite de 62% au baccalauréat guinéen et de 73% au programme français, les écoles Bacan se démarquent par la qualité remarquable de leur formation et la pertinence de leur programme. Situées dans le quartier de Simon Bossia, dans la commune de Ratoma, les écoles Bacan offrent un cycle complet bilingue de la maternelle au secondaire ainsi qu'au programme français, le tout dans des installations impeccables équipées de manière moderne. Chez les écoles Bacan, l'excellence est synonyme de rigueur. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter au plus 224 621 43 71 44, plus 224 611 00 54 73 ou le plus 224 625 35 35 10. Attention, la date butoir de la vente des vignettes TUV est presque arrivée. C'est le 15 octobre 2023. Passé ce délai, tout achat de vignettes TUV sera majoré d'une pénalité de 25% conformément à la réglementation en vigueur. Pour payer vos vignettes TUV, tapez par Orange Money, étoile 144, étoile 4, étoile 8, étoile 4, dièse. Par Mobile Money, tapez étoile 444, étoile 4, étoile 6, étoile 3, dièse. Par Crédit Rural, tapez étoile 1111 dièse. Allez donc vite acheter vos vignettes pour éviter les ennuis avec les agents de la Direction Générale des Impôts et la Police Routière. Ce spot vous est présenté par DSD Guinée en collaboration avec la Direction Générale des Impôts. Guinéen est fier de notre histoire. Guinéen est fier de notre culture. Guinéen est fier de notre unité. Dans la richesse de notre diversité culturelle, nous trouvons notre force. Le 2 octobre, nous célébrons notre cher pays. Le 2 octobre, nous célébrons nos traditions. Chacun doit jouer un rôle essentiel dans la construction de notre avenir. Bonne fête nationale. Bonne fête nationale. Cherchez une école qui forme bien et qui répond aux exigences éducatives dans un monde en pleine mutation? Choisissez l'école franco-guinéenne Djandjan, un établissement scolaire moderne qui s'inscrit dans le renouveau pédagogique et le retour aux fondamentaux de base, à savoir une sélection rigoureuse d'enseignants expérimentés, conscients du caractère fondamental de la promotion et de l'excellence académique. À l'école franco-guinéenne Djandjan, nous promouvons une coéducation école-parents pour le préscolaire, une expertise avérée dans la petite enfance avec des locaux ultra modernes et des équipements scolaires aux normes internationales. Chez nous, l'initiation à l'outil informatique commence dès la maternelle avec des logiciels ludiques et éducatifs. À partir de 5 ans, l'anglais est enseigné à tous les niveaux. À l'école franco-guinéenne Djandjan, nous disposons également d'un terrain de sport, une aire de jeu, une cantine scolaire, une infirmerie, une salle informatique, une bibliothèque physique et une crèche. Un pool de formation qualifiés tournés vers le renforcement des matières fondamentales avec une mission, préparer les élèves à réaliser leur meilleur parcours. À l'école franco-guinéenne Djandjan, nous utilisons un logiciel de gestion d'école permettant aux parents d'élèves de suivre régulièrement leur enfant à distance et contrôler leur retard, absence et même leur rythme de révision à travers le téléphone. Les inscriptions ont déjà commencé car nos effectifs par cycle et par classe sont limités. À l'école franco-guinéenne Djandjan, nous construisons l'excellence au cœur de l'éducation.
Welo welo aduna tinggi tinggi. Kino jadi salam lemune, salam pom. No kasahara ko salam mango. Angkali salam punya nong. Hey, fihonu hina salam gilado. Emi, joni nong ko hondung kuranyo. Hei kono bing, kala ko unizi salam kuno wela la tech. Salam, Julie gefi, kala ko yidu dongkong. Salam, souriez à la vie. Pour assurer une meilleure rentrée scolaire à vos enfants, profitez de l'offre spéciale prêt scolaire de la Banque Sahélo-Saharienne BESIC Guinée. Empruntez jusqu'à 15 millions de francs guinéens au taux exceptionnel de 0% remboursable sur 10 mois. Les prêts sont disponibles dans les 48 heures après le dépôt des dossiers au complet. Rendez-vous vite dans l'une des 15 agences BESIC à travers le pays. Un service personnalisé vous y attend. BESIC, une vision, un instrument. Oui, oui, oui. Non, ne t'inquiète pas. Je ne vais pas oublier. Tu vas bien, le cheval? Les enfants là vont me rendre fou. C'est bientôt les vacances et je ne sais même pas où avoir les cadeaux que j'ai promis. C'est tout? Mais comment ça, c'est tout? C'est un casse-tête de trouver tout ça dans ce pays. En vrai, tu n'as pas de problème. Va à Mediaset Plus et tu me remercieras plus tard. Ah bon? Taxi, centre moteur, boutique Mediaset Plus. Boutique Mediaset Plus? Oui. Grand, toi, tu connais les bonnes choses, hein? Ah bon? Oui. Voisin. Oui, voisin. Toi aussi ici? Effectivement. Je suis venu réparer mon téléphone qui est totalement abîmé. Apparemment, je suis le dernier à connaître les bonnes choses, quoi. Oh là, vraiment, voisin. Vente, troc ou réparation, chez Mediaset Plus, nous vous garantissons un service complet. Mediaset Plus, le numéro 1 des appareils électroniques et accessoires en Guinée. Le vrai goût de la nature. Alors, vous êtes plutôt salam orange, salam pomme, non, salam mangue peut-être, et salam ananas. Pourquoi pas salam multifruits? Mais vous aussi, finalement, vous préférez quoi? Moyen, j'aime tout, tous les jus salam, j'adore. Salam, des jus de fruits naturels pour tous les goûts. Salam, souriez à la vie. Girite, girere la vie. Ora ile, salam le mouna tale du mayenge. Salam pomdo. Ile fana, salam mankoron talo. Neke ne salam kabibi tali do. Mouna ibn ta nyamba sa nou otaro. Ile kone, kone mako na boto pa. Iye mou ko boto. Abe, ju salam be du manye. Salam. Mirador, la plus grande tribune politique de la Guinée. L'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Aboubacar Diallo. Cardiallo. Plusieurs sujets sur notre table d'un moment à l'autre dans cette seconde partie de Mirador. Justice, quand la fin du bras de fer entre l'association des magistrats de Guinée et le garde des Sceaux, une question qui taraude les esprits dans le milieu des praticiens du droit, inquiète la tournure que prend à l'aune de chaque épisode ce feuilleton à rebondissement. Dernier cas en date, c'est la réplique qui ne s'est pas fait attendre du ministre Alphonse Charles White à un acte d'huissier déposé le mardi 3 octobre dernier auprès de son cabinet au nom du bureau de l'AMG relatif à une résolution ayant sanctionné la récente assemblée générale de la dite association, une résolution à travers laquelle le bureau de l'AMG exige entre autres du ministre de la justice et des droits de l'homme de rétablir dans leurs fonctions dans un délai de 15 jours les deux magistrats suspendus officiant au TPI de l'abbé, de procéder au dégel des salaires des magistrats ayant observé le mot d'ordre de débrayage de l'AMG et de cesser la publication sur les réseaux sociaux des actes de suspension pris à l'encontre des magistrats sous peine de déclencher une grève générale et illimitée. Si sur deux points, Alphonse Charouette, à la demande des membres du comité des sorties de crise, a fait des concessions, il n'en est rien donc du troisième point. Pourtant, source des casus belli entre les deux parties, là-dessus, Charouette estime que le CSM étant déjà saisi de la question donc de la suspension des deux magistrats de l'abbé, il leur revient à cet instant de trancher, donc d'en décider. Les concessions faites par le garde des Sceaux sont-elles consécutives, constitutives plutôt,
d'actes de bonne foi et de détente. Et qu'en pense l'AMG? C'est la question, les questions que nous posons ce matin. On parle là aussi, on restera dans les arcanes de la justice pour nous intéresser à la première comparution de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Amadou Damalo Camara, désormais apte à se présenter donc au juge de la CRIEF et à répondre aux accusations qui sont articulées contre lui dans le dossier l'aménagement du siège de l'Assemblée nationale sur le site de Koloma. Amadou Damalo Camara qui a toujours rejeté toute responsabilité en la matière succédera à trois de ses co-accusés dans ce dossier. La possible comparution de l'honorable Amadou Damalo Camara risque-t-elle de mettre la pression sur l'ancien Premier ministre Dr Kassou Sori Fofana, hospitalisé depuis des mois, mais accusé par certains magistrats de la CRIEF d'avoir refusé de se présenter devant cette juridiction spéciale. C'est la question que nous nous posons également. On parle là aussi de cette absence totale de retour à l'ordre constitutionnel dans les deux récentes sorties du colonel Mamadi Doumbia, d'une part à la tribune de la 78e Assemblée Générale de l'ONU et récemment, donc c'était le dimanche dernier, 1er octobre, à l'occasion de son adresse à la nation en lien avec l'an 65 de l'indépendance de notre pays. La Guinée étant bel et bien en transition militaire depuis le 5 septembre, faut-il désormais parler d'un déni de réalité par le colonel Mamadi Doumbia? Quel message se cache-t-il derrière cette nouvelle posture affichée par l'homme du 5 septembre? On pose le débat. Et puis, levée de 5 000 milliards de francs guinéens par le gouvernement de transition sur le marché bancaire local, on y revient avec ce matin, dans la troisième partie de cette émission, l'avis de M. Abdoulaye Guirassy, économiste politologue, formé en France et au Canada, détenteur d'un master en économie appliquée et d'un autre master en Sciences Po. Il va nous rejoindre tout à l'heure sous les coups de 10 heures sur cette antenne. Quelques réactions rapidement avant de continuer cette émission. Paikoun Kinya, bonjour les chroniqueurs de UFIM FM. Paikoun Kinya Diallo depuis Bambeto du parti Alliance pour le Renouveau et le Progrès ARP. Dans la division, rien n'est possible. Les forces politiques font semblant d'être ensemble, j'imagine. Or, ils sont divisés à l'interne selon donc Paikoun Kinya. Sampolia Fode Bangali Fofana, bonjour les visites de la démocratie, bonjour à Bissi Krima, Aboubakar, nous remercions le ministère de la Défense nationale pour la bonne organisation de l'an 65 de notre indépendance, sans oublier le directeur général de la DIPA, M. Toumani Camara et son équipe, nous leur disons merci. Cet autre, Aloussène Toulel, sur Facebook, bonjour Mirador, bonjour à ce voyant journaliste Aboubakar, merci. Aboubakar, le ministre ne doit en aucun cas et pour aucun motif interdire les voiles dans les écoles, je suis formé là-dessus, nos sœurs, nos mamans doivent adopter les bons exemples en termes vestimentaires, surtout que l'on dit que nous sommes dans un pays laïque. Kalo Abdoulaye Alima, bonjour Mirador, la priorité des autorités de la transition est basée sur l'économie, comme l'indique dans ses récents discours le colonel Mamadi Doumbia. Non, le retour à l'ordre constitutionnel, les efforts de Awing sont à saluer, mais qu'il fasse attention face à certaines décisions prises. Sinon, il va mal terminer sa carrière. Cet autre aussi, c'est Habib Orekoubi Sow depuis Cancan. Bonjour le neveu de Dengraïka, bonjour Mirador. Bonjour à mon Dengraï natal. Je souhaite une bonne rentrée scolaire aux élèves et à tout le personnel de notre système éducatif. Cependant, à Bakar, il faut reconnaître et oser le dire, les incendies commencent à devenir récurrents au sein de nos départements. Mais comme le disait l'autre, les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Ousmane Camara qui enchaîne. Bonjour Mirador. Dites au ministre Guillaume de laisser tranquille nos sœurs avec leurs voiles et qu'ils ne provoquent pas de problèmes là où il n'y en a pas, qu'il règle la situation des contractuels et l'amélioration du niveau des enseignants au lieu de fatiguer les pauvres élèves pendant les examens nationaux. Nous sommes à la rentrée scolaire et jusque-là, il y a des milliers d'enfants en âge d'être scolarisés dans les rues en train de vendre les petits articles ou mendier tout simplement. Douralex Baldé, bonjour Titi à toute l'équipe de Mirador. À l'école primaire Cabral de la Minière, le tableau banc se négocie à 400 000 francs guinéens. Sérieux, cette année, et tu entends des fois les dirigeants dire donc il faudrait payer ça avec une légère diminution. Et je partage l'avis d'Emmanuel pour le port du voile. Alpha Dio Baldé également sur la sélection d'Ibrahim Sylla. Bonjour Aboubakar et un grand bonjour à toute l'équipe. Aboubakar, je pense que le peuple de Guinée est averti de l'intention du CNRD. Nous n'avons aucune raison
d'échouer face à ce régime. Pour le cas d'incendie hier au Trésor public, c'est une mise en scène du pouvoir Alpha Diobaldé depuis Luanda, côté de l'Angola. Ousmane Camara aussi à l'écoute. Bonjour Mirador, dites au ministre, voilà, je pense que ce message, on l'a déjà relayé, va se rabattre sur d'autres canaux pour retrouver d'autres réactions. On y va, on commence par le bas avec ce message de qui mon cher homo Aboubakar Camara. Bah, Aboubakar, l'enfant a un coût et c'est aussi un investissement. Aujourd'hui, pour faire un enfant, il faut se préparer à dépenser un montant de plus de 100 000 à 150 000 dollars pour tout le cycle jusqu'à l'université. En tout cas, si on veut qu'il contribue à l'évolution de la société et soit utile, on ne fait pas d'enfant pour commencer à accuser Paul ou Pierre. On entend tous les jours, les écoles privées coûtent ceci, ok, mais cela, mais ce sont des entreprises. Il faut que les gens se réveillent. Nous sommes dans un pays pauvre. Oui, alors qu'on minimise nos poches de dépenses avec des enfants que nous pouvons supporter. Aboubakar Camara, DG de la SEG. Bonjour Titi, bonjour à toute l'équipe de Mirador. J'ai été choqué hier soir après cette déroute monumentale infligée au PSG. Yako à toi, oh là là. Merci à toi, cher Talibé. J'ai aimé le coup sur Titi. Réveille-toi et mets Mirador au-dessus du PSG. N'en déplaise. Merci. Voilà. le coup est reçu hein, depuis colère. Je ne dis pas de non ce matin. On y va avec cet autre Alpha Moussa Makadjabi. Bonjour Aboubakar à toute l'équipe. L'interdiction des voiles dans les écoles est une simple distraction. C'est une mesure inacceptable, intolérable et inopportune. À cette allure, on va interdire les voiles dans les mosquées et voire sur la place publique. C'est une simple distraction, encore une fois, selon Alpha Moussa Makadjabi. Encore pour une minute, le temps de prendre donc le maximum. Bonjour pour le philosophe Aliou Nba. La Guinée est un pays à tolérance religieuse. La laïcité, c'est du copier-coller de la Constitution française. Mais la difficulté reste de définir la laïcité dans un pays comme la Guinée. Cette question, pour mémoire, reste l'une des plus discutées en France, même avec la loi de 1905. Il faut donner du contenu aux notions et concepts pour éviter que chacun n'interprète à sa façon, pour ne pas dire, pour défendre ses intérêts. Voilà, je ne sais pas c'est qui exactement, c'est ce cabinet quand même qui me l'envoie. Allez, Barry Mamad Alpha UFDG depuis Madina, c'est l'avant-dernier. Bonjour Aboubakar, le juste et bonjour à Talib Bello, Montesquieu de Mirador. S'il vous plaît, monsieur Diallo, j'exhorte les forces vives de Guinée de prendre leurs responsabilités face à cette junte injuste. Désormais, c'est clair qu'elle n'a aucune intention d'organiser des élections politiques et libres et transparentes pour rendre le pouvoir à un président civil. Rien qu'à voir les deux discours du colonel Doumbouya au sommet de l'ONU et du 28 septembre dernier, car il a remis en cause l'accord qu'il a pris avec la CEDEAO sur la durée de la transition de 2 ans. Et vous savez qu'il avait consommé 18 mois gratuitement. Et aujourd'hui, à date, il ne veut rien respecter après son discours du 5 septembre 2021. Voilà, c'est assez long. Hein. Et pour terminer, on part du côté du PDN avec Youssef Kaba, ce dernier. Il est clair qu'il ne peut être admis que les élèves s'habillent de manière à offenser nos mœurs. Cependant, le document produit par le département laisse à désirer. Interdire uniquement les piercings, oui, au nez suppose qu'ils peuvent être portés sur d'autres parties du corps. Aussi, interdire le voile à l'école dans un pays où le taux de scolarisation des filles reste faible n'est pas bien réfléchi, selon Youssef Kaba. Sachant que cette mesure risque de mettre fin au cursus scolaire de milliers de filles, il serait préférable de la rapporter. Le ministre doit orienter ses efforts sur ce qui constitue les priorités du moment, à savoir la qualification des programmes scolaires, la rénovation et la construction de nouvelles salles de classe, le renforcement des capacités des enseignants et l'amélioration de leurs conditions de vie. Et un avis d'expert, Youssef Kaba, très smart. Allez, on continue, Mirador, bye bye. Vive FM.
c'est Barban, les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Chroniqueurs. Allez, cette question que nous nous posons ce matin, Bassikou, que cache la tournée de l'épouse du colonel Mamadi Doumbé? L'épouse du président de la transition, hier devant les femmes, a déclaré... Donc la première dame de la République. L'épouse du président de la transition. La première dame de la République. L'épouse du président de la transition a déclaré. Non, et pourquoi tu ne veux pas la... Vous ne pouvez pas changer ça parce que Mamadi Doumbia n'est pas élu. Le colonel Mamadi Doumbia n'est pas un élu du donc, peuple. Donc Lauriane Doumbia n'est pas la première dame de la République. C'est l'épouse, du président de la transition. Bien. L'épouse du président de la transition. Hmm. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord avec ça? Non. Mais non, mais je te pose la question. Il est en train de nous dire, rappeler que Mamadi n'est pas élu. Même si aujourd'hui on appelle Mamadi Doumbouya le président de la République. C'est un faux débat. Du coup, son épouse première dame de la République. Parce que c'est sous cette forme-là. Ou première dame de la transition. Non, c'est la première dame de la République. Bien. Il faut l'appeler la première Nikon, dame. Première dame de la République ou tout simplement épouse du bon, président de la transition. Première dame de la transition. Ben. La République, le président de la République, il est élu. Bien. Première dame de la transition. Ou première dame de la République, point de suspension en transition. Eh ben, allez, ouais. On s'intéresse ce matin à cette tournée. Elle a été... D'abord à Boké. À Koya, suite à Boké. Et hier, elle était l'hôte des populations de l'Abbé. Oui, alors elle a tenu plusieurs... elle a tenu un discours à deux niveaux. Ouais. Le premier, c'est que... Elle a d'abord réitéré l'engagement du gouvernement, du président de la transition, à œuvrer pour mettre en place un fonds permettant aux femmes d'accéder à des crédits importants pour le financement de leurs activités. Mmh. Vous savez, le président de la transition, quand il s'était rendu là-bas lors de la fête de Ramadan, il avait échangé avec les femmes qui avaient posé cette doléance de mettre en place des fonds importants leur permettant d'accéder à des financements pour développer leur activité. Mmh. Et on espère que ça ne va pas ressembler ni à l'époque, cette agence qui a été mise en place à la présidence. La NAMIF, ensuite il y a eu les MIFA, Afriland. On espère que ça ne va pas ressembler à ça. Oui, absolument, on espère que ça ne va pas ressembler à cela. Mmh. Et puis aussi, il y a ce deuxième ton, il y a la deuxième partie de son discours, là où elle dit le rêve de la Guinée, c'est possible avec le colonel Mamadi Doumbouya. Mmh. Et moi, c'est ce qui m'intéresse surtout dans son intervention. Et pour quelle raison? Et pour quelle raison? Parce que Aboubacar... parce que c'est un crime. C'est un crime. Non, ce n'est pas un crime. Non, ce n'est pas un crime. Mais je vais simplement dire, si le rêve de la Guinée, si le rêve des Guinéens aujourd'hui, en tout cas pour une bonne partie, consiste à travailler au retour à l'ordre constitutionnel, parce que c'est la mission fondamentale qui est assignée à tout gouvernement de transition. Mmh. Si le président de la transition ne se détourne pas des engagements qu'il a pris le 5 septembre, si le président de la transition respecte l'accord qu'il a signé avec la CEDEAO, si le président de la transition, sa mission c'est de travailler à ce que la justice soit indépendante, si la mission du président de la transition c'est de travailler à la moralisation de l'administration publique, je suis parfaitement en phase avec lui. Ouais. Mais pour le moment, si sa mission aussi c'est de mettre fin au piétinement des droits de l'homme, parce que c'est ce qu'il avait justement dénoncé, je voudrais d'ailleurs aussi dans son discours de prise de pouvoir. Mais on voudrait d'ailleurs que la première dame aussi s'exprime sur cette question, parce que les Françaises, on sait très bien combien de fois la France va debout contre les violations des droits humains. Ouais. Moi, je voudrais bien l'entendre sur les questions des droits humains aujourd'hui dans ce pays où vous avez des personnes qui sont tombées par balle lors des manifestations et dont la justice peine à être faite pour ces personnes-là. Vous avez des personnes également qui sont arrêtées. Pour le moment, ce que je dis, c'est vrai que le discours qu'elle tient pour les femmes aujourd'hui est un discours salutaire, mais c'est une sorte de campagne. Aujourd'hui, c'est une campagne déguisée. Ce n'est plus une campagne déguisée, c'est une campagne ouverte. Une campagne pourquoi? C'est une campagne ouverte parce que quand elle dit que le rêve de la Guinée est possible. Une campagne à quel effet? Mais je te pose des questions. Mais attendez, Aboubacar, justement, très bien, c'est une campagne pour moi parce que vous le savez très bien aujourd'hui. Pour quel agenda? Que tout ce qui est retour à l'ordre constitutionnel aujourd'hui, le CNRD est en train de s'éloigner de ça progressivement parce que le colonel Mamadi Doumbouya, dans son discours à la tribune des Nations Unies, mais aussi lors de la fête de l'indépendance aussi, rien n'a été dit sous le retour à l'ordre constitutionnel. Ouais. Donc, pour le président de la transition et pour le CNRD, on travaille beaucoup plus aujourd'hui sur les questions sociales et
et sur tout ce qui est économie. Et pendant ce temps, le temps presse. 2024, c'est presque arrivé. Par rapport aux 10 étapes du chronogramme de la transition, dites-nous aujourd'hui, en dehors du recensement général de la population de l'habitat, qu'est-ce qu'on est en train de faire aujourd'hui par rapport à tout cela? C'est pour cette raison, moi je dis que le président de la transition doit résister à l'appétit du pouvoir. Ouais. Il doit tout faire. Aux sirènes de confiscation du pouvoir. Comme l'a dit Kelle Fassal, il doit résister à tout ça. Ouais. Il doit tout faire aujourd'hui pour respecter les engagements qu'il a pris devant la communauté internationale, devant le peuple de Guinée. C'est important de nommer les choses ainsi. La parole du soldat est très chère. C'est important. Lui est très cher. Et de toujours se rappeler. Doit être très cher. Et de toujours se rappeler ce qui est arrivé au capitaine Moussa Dadis Camara. Ouais. Et tout comme au président Alpha Condé qui a aujourd'hui qui a engagé la Guinée dans son projet funeste de troisième mandat. On voit comment tout cela a terminé. Ouais. Je veux bien qu'il termine. Moi, je veux bien qu'il sorte par la grande porte. Ouais. Je parle avec, avec le cœur. Avec beaucoup de sincérité. Avec beaucoup de sincérité. Ouais. C'est pour cette raison qu'il ne doit pas se détourner de la mission qui lui a été confiée, qu'il organise les élections et qu'il parte. On ne veut pas une cagamétisation de la Guinée. Voilà, on ne veut pas du tout cela, qu'il organise les élections et qu'il parte. Après, il a la possibilité de revenir pour se présenter. Même si, s'il le veut. Dans les bastions quand même de ses partisans, on pense que c'est le Mokelenko de la Guinée. Ce n'est pas possible. Non, attendez, c'est ce que j'ai dit, c'est ce qui s'est dit dans les milieux favorables au colonel. Ce n'est pas possible. Pourquoi tu ne peux pas entendre ça? Oui, mais ce n'est pas possible, Aboubakar. Ce n'est pas possible, ça ne passera pas en Guinée. Non, mais il faut qu'il comprenne. Je ne dis pas que ça va passer. Oui, mais je veux simplement dire, Aboubakar, que ce n'est pas possible. C'est que disent des partisans. Mais ça ne passera pas. Qui pensent que c'est l'homme qui fallait, l'homme qui manquait à ce pays. Ça ne passera pas. Non, mais attendez, ça ne passera pas. Allez. Ils le disent pour leur intérêt. Bien. Vous avez vu tous les mouvements de soutien ici. Dadis doit rester. Quand Dadis est tombé, qui est sorti pour manifester? Vous avez vu tous les milliers. Il est abandonné à son triste sort. Tous les milliers de mouvements qui supportaient Alpha Condé. Et après lui, c'est lui. Quand il est tombé, qui est sorti? Le Guinéen, c'est aussi la démagogie. Ouais. C'est ça, la réalité. Pas tous les Guinéens, certains Guinéens. Moi, vous savez que j'ai aimé les tournées de Madame Lauriane. Au début, tu avais bien apprécié. Bien sûr. Ouais, bien sûr. Tout comme Koya, Talibé aussi. À Koya. Ouais. Oui, non. Au début, à Koya, c'était un cadre humanitaire. Tout à fait. C'est suite à des inondations. C'est une dame. Oui, cadre le humanitaire. Discours humanitaire. À Bokeh, j'ai bien apprécié sa démarche et l'objectif pour lequel peut-être elle est partie à l'abbé. C'est appréciable. Mais c'était quoi l'objectif? Non, c'est pour aider les gens, identifier peut-être des projets, aider les gens. Mais le discours que Mme Lauriane a prononcé me désole. Je comprends désormais que si j'ai soutenu au départ sa démarche, cette fois-ci, t'es obligé de te raviser. Oui, parce que je ne suis pas obligé de soutenir ce qui n'est pas soutenable. Moi, j'aurais voulu que Mme Lauriane Doumbouya s'indigne pour des cas de mort en Guinée en tant que mère de famille. Elle ne l'a pas fait jusqu'à présent après plus de 30 morts. Et elle est responsable de ce pays. J'aurais voulu que... Et madame n'a jamais appelé justice pour les familles victimes de répression. Elle n'a jamais rendu visite à ses familles. À part les forces vives de Guinée, quel responsable guinéen qui est parti voir les familles des enfants tués par balle pendant les manifestations. Et madame qui est occidentale... Qui est française. Française. Ouais. N'a jamais peut-être condamné la confiscation des droits de l'homme en Guinée. Je voudrais mais c'est peut-être trop lui demander quand même, Nicole. Oui, non, c'est l'épouse du président. Oui, pourquoi pas? Ben, tu la vois pas quand même s'auto-flageller quand même. Abakar, s'auto-flinguer de la sorte quand même. Mais votre femme est votre première conseillère. Ma femme à la maison, c'est ma première conseillère. Oui, mais elle ne va pas te dénoncer publiquement, monsieur. S'il te plaît, là, quand même. Ouvre les yeux, monsieur. Oui, mais quand même. Elle ne va pas te dénoncer publiquement. Si elle ne le fait pas. Non. Abakar. C'est que tu nous demandes. Il n'est pas interdit. C'est que tu nous demandes de Lauriane quand même. Oui. Il faut redescendre sous terre. C'est que tu nous demandes. C'est que tu lui demandes de dénoncer publiquement son mari. Abakar. Son époux. Cette dame pouvait aller dans les familles victimes de répression. Bien. Elle ne l'a jamais fait. Mm. Cette dame pouvait déplorer en tant qu'occidentale les cas de mort en Guinée. Son mari pouvait s'en inspirer. Abakar, c'est trop rêvé, sincèrement. Non, pas du tout. Ouais. Elle doit aussi le faire. Donc moi, je voudrais que madame reste dans un cadre purement humanitaire. Et social. Qu'elle ne s'habite pas à la politique. Où elle devrait plutôt même réitérer l'engagement de son mari
à respecter sa parole devant le peuple. Bien. Ça va être un bon message. Madame Lorraine Doumbouya, on vous aime bien pour vos actions humanitaires, mais quittez le terrain politique, puisque ce pays nous appartient. Nous connaissons ce qui s'est passé. Nous avons vu les éléphants échouer dans ce pays. Et tous ceux-là qui vous entourent, qui soutiennent votre mari, le jour où ça n'ira pas, ils vont déchirer leur veste et on ne verra personne. Bien. Vive la Guinée. Talibé Barré. Vive la Guinée. Bien. Talibé Barré. Le rêve de la Guinée, c'est possible avec Mamadi Doumbouya. Que Dieu entende Madame Lauriane au premier degré. C'est-à-dire ? Parce que le rêve de la Guinée, c'est de pouvoir revenir à une république normale. À une république... À une normalité républicaine. Et démocratique. À travers le retour à l'ordre constitutionnel, en respectant les 24 mois convenus avec la CEDEAO. Si c'est ça... Donc, le rêve. Le rêve de Mamadi Doumbouya, nous le partageons. Non, le rêve de la Guinée. Oui, non, si Mamadi. Bien, je te comprends mieux. Je vais dire que Mamadi doit partager le rêve de la Guinée pour que son rêve soit le nôtre. Bien. Vous comprenez ? Donc, ce rêve, c'est que, comme il l'a dit, il tient la balance de la justice à égal poids. Pour que tous les Guinéens soient traités de la même façon. Ouais. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui avec une certaine allure politique de la justice à travers ce que fait la CLIEF? Non. Est-ce que l'autre rêve de la Guinée, c'est que ce soit un pays qui respecte les droits de l'homme? Ou comme il nous l'a promis, le sang d'aucun des nôtres ne sera versé pour la politique. Ouais. On a encore plus de 30 jeunes qui sont tombés qui sont sous les balles, sous nos bras, sous les balles lâches et hypocrites de nos forces de défense et de sécurité. Donc, ce rêve-là, nous le nourrissons. Celui d'une Guinée qui ne tuera plus ses enfants. Puisse Dieu faire que Mamadi le partage avec nous pour que nous nous reconnaissions. Donc, dans le rêve de notre cher colonel, nous souhaiterions que le colonel, qui nous a donné l'impression d'un homme de parole, qui semble attaché à la parole du soldat, tout à fait, qu'il respecte son engagement de faire en sorte que nous luttions réellement contre les erreurs du passé. Ces erreurs, elles persistent, certaines dangereuses, nocives, pernicieuses persistent encore. Ou même s'amplifient. Et on ne sent pas une réelle volonté de lutter contre ces erreurs du passé, quel que soit. Contre ces erreurs du passé, quels que soient ceux qui les ont commises. Parce qu'il y a une sorte de deux poids, deux mesures, parmi, en tout cas, vis-à-vis des prédateurs de la République. Quand ils sont anciens, ils sont voués aux émeunies. Quand ils sont dans leur pénate, dans leur bureau luxueux de différents ministères ou de différentes directions, ou au palais présidentiel, ils sont libres de tout. Donc, mon colonel, je parce suis que la réalité est là-dessus, la réalité est là, elle est criarde. Le train de vie des nouveaux maîtres, pour la plupart, a beaucoup changé. Absolument. Ça a beaucoup changé. Absolument. Ça, c'est visible. Ils ne peuvent pas s'en cacher. Rien nous dire sur ne pas du tout s'en cacher. C'est ça. Parce que qui, on sait comment ils étaient avant le 5 septembre et qu'est-ce qu'ils sont devenus. Ils sont devenus très beaux. Mais quelqu'un me parlait du cas des ministres dans ce gouvernement qui marchait, parce qu'on peut dire qu'ils marchaient. Ils ont grossi. Donc, ils marchaient. Comment on dit écussier à grosse coupe, voilà, en français de la rue, qui tapait des milliers de ou des centaines de mètres pour aller chasser un taxi. Mais on sait aujourd'hui que leur vie a complètement changé, et quand tu vas chez eux, toute la cour est remplie de véhicules. Je sais pas si vous avez fait le constat. Bien sûr. Bah, peut-être qu'on va nous fermer, nous interdire désormais. On va nous interdire désormais d'accéder à des concessions. Parce que quand vous y venez, vous êtes impressionné par, en tout cas, le dispositif logistique. À moins de deux ans. Le dispositif logistique avec, impressionnant. Avec un parc, parc automobile à la Cristiano Ronaldo. C'est quand même grave. C'est quand même grave. Qu'est-ce qu'ils font de tous ces véhicules? Qu'est-ce qu'ils font de l'immobilier, Aboubakar? Qui sont amassés, qui sont stationnés à perte de vue. Aboubakar, je termine en disant que le colonel Mamadi, nous l'aimons comme, contrairement à l'amour que feu Bahamadou
décrivait, il disait, attaquant Lansana Conte, que Conte aimait la Guinée comme le chasseur aime le gibier pour l'abattre et le consommer. Nous aimons le colonel tant qu'il aime la Guinée et qu'il sert la Guinée selon les intérêts de cette Guinée. Et donc, s'il s'aligne sur nos rêves, nous rêvons avec lui et nous partageons son rêve. Ouais. Mais le divorce sera consommé s'il prend les chemins interdits. Interdit. Parce que ce pays ne peut pas être piégé, gouverné par des gens qui ignorent que nous avons soif de démocratie et que nous avons choisi le système démocratique. Déjà moins vertueux. Donc c'est ça, c'est ça. Bien. Dieu fasse que... Là on est à la mosquée ce matin. Chère dame, chère première dame, soit entendue. Si tant est que notre rêve sain est le rêve sain du colonel. Bien dit. Mamadou Ouri Diallo, sur cette tournée de la première dame, à votre avis, peut-on estimer qu'elle est en campagne, campagne déguisée, auquel elle aurait un agenda politique, comme l'ont dit certains de tes prédécesseurs? Non, ce n'est pas un blasphème, ce n'est pas un drame, ce n'est pas une calamité que... la femme et l'épouse d'un président futile, président de la transition, fassent une tournée avec pour objectif justement d'aller, si vous voulez, se rendre compte des difficultés que certaines femmes traversent et ensemble envisager des solutions à apporter à ces problèmes. C'est des dames qui peut-être sont dans des coopératives, qui ont besoin de quelques financements, de quelques soutiens. C'est des dames qui ont des initiatives, mais qui n'ont pas d'appui, qui ont besoin peut-être de formation. Et pendant ce temps, c'est quand même une première dame qui a droit à un cabinet de première dame, qui a droit à une fondation, si toutefois elle est portée sur ces questions humanitaires, comme l'était foncièrement feu Hadia Djené Kaba. Et puis j'ai vu à l'époque, ça c'était une autre transition, la femme de Sékouba Konaté, qui animait aussi sa fondation, qui était sur le terrain, qui faisait des activités caritatives. Donc aller à Boké, aller à l'abbé, porter ces messages de soutien aux dames, de solidarité, je n'ai rien à y reprocher, bon sang de Dieu. Et puis la nature a horreur du vide. On ne peut pas avoir un président qui n'a pas de femme et qu'on appellerait première dame. Et je suis quand même content qu'on ait comme beau pays la France, comme les Français, comme nos beaux-parents. Bien. Parce que effectivement, la France, c'est le pays des libertés, c'est le pays de la démocratie et tout le reste. Et on a un Macron qui, dans les discours que nous entendons, que nous écoutons, veut toujours faire opérer une rupture avec la France-Afrique et toutes les pratiques malsaines du passé. Malsaine, Donc, j'estime que lui et nos beaux-parents seront regardants sur la transition de la Guinée, dont leur fille est la première dame. C'est important. Et vous savez, il y a une sagesse qui dit que la nuit porte conseil. Et je suis d'accord avec vous que Lauriane ne va pas prendre le micro et ne viendra pas dans Mirador pour dire « mon mari est en train de dévier, il est en train de faire ceci ». Pas du tout, pas du tout. Mais dans l'esprit de cette sagesse qui dit que la nuit porte conseil, je pense que fille d'un pays comme la France, elle peut la nuit murmurer à l'oreille du colonel « attention, il y a des choses qui se passent, il faut faire ci, il faut faire ça, attention ». Nous venons d'un pays, vous et moi, où on porte quand même de la considération à vos valeurs démocratiques et tout et tout. Au colonel d'écouter sa femme, au colonel de l'entendre. Sinon, s'il se retrouve devant un obstacle, devant le mur, eh bien, c'est à lui seul de porter la responsabilité. Il y a une évidence dans notre pays, Aboubacar, aujourd'hui, c'est que ce sont les civils qui constituent le véritable problème de la Guinée. Malheureusement, des présidents civils qui décident de se régner, de régner les valeurs qu'ils ont portées, malheureusement qui nous mènent à des situations pareilles, mais aussi c'est des civils autour d'un président militaire qui lui inculque toutes ces idées-là. Aujourd'hui, on l'appelle à tout bout de champ président de la République. Est-ce que c'est lui qui leur a imposé cela? Aujourd'hui, certains lui murmurent à l'oreille qu'il est, comme vous l'avez dit, l'homme providentiel. Il va falloir qu'il y reste. Aujourd'hui, on lui a fait comprendre que nous sommes désormais dans ce que j'appelle une TDI, une transition à durée indéterminée. Tout ça, on lui impose. Nous sommes dans une situation où c'est des civils qui écrivent son discours, des civils en qui il a fait confiance
en les nommant, en leur disant de jurer sur le Coran ou la Bible. Mais c'est eux encore qui j'ai envie de dire, c'est tout simplement décevant. Ouais. Maintenant, peut-être son seul, comment on va dire, ses seuls conseillers vrais et sincères, c'est cette voix ou ces voix qu'on entend ici, ouais. Ces voix de la presse. Ouais. Et puis, ça sera aussi certainement la voix, ouais, en sourdine, pas cette voix de la jour, en jour, en plein 14h, cette voix de sa femme à la maison qui lui dirait, à un moment donné, il faut faire ci, il faut faire ça. Ouais. Je pense que c'est ouais, le parce seul... que tu fais bien de le dire, c'est aujourd'hui, tout porte à croire que les seules voix qu'on entend et qui émergent, c'est celle de la presse. Oui, et j'imagine, j'espère, celle... Parce qu'il y a peu de voix politiques maintenant qui se font entendre. J'imagine, ouais, et j'espère... C'est assez compliqué. On va vous la boucler. Ouais. Ben voilà, c'est malheureusement, c'est ce qu'on nous fait subir. C'est ça. Bien. J'imagine et j'espère celle, ouais, de Lauriane aussi. Bien. Et il y a bien d'autres voix qui veulent qu'ils les entendent. Mais malheureusement, on leur a fermé les portes du palais. On leur a fermé les numéros de Mamadi. Donc, ils n'arrivent plus, ces gens-là aussi, à l'atteindre. Ouais. Et c'est ce drame qu'on est en train de traverser. C'est des bannis de la République. Ouais. J'estime et j'espère qu'il se retrouvera. Bien. Et je le disais hier pour rire, je termine. Comme Alpha Condé, certainement comme Lance Raconté, il a tous les leviers du pouvoir. Mais en réalité, il travaille maintenant pour le système. Ce que... l'autre appelait le système, ouais, et on en riait, on se moquait de lui, ouais, Papa Koli, ouais. Il n'y a pas mieux que j'ai Papa... le bonheur d'avoir, hein, au téléphone il hier, y a pas voilà, mieux... son état de santé s'améliore, voilà, très bonne nouvelle. Il n'y a pas mieux que Papa Koli qui a cerné, ouais, la question du système. En fait, il travaille, il est embauché maintenant par le système. Et ben, ce qui fait le colonel. Oui, ben, évidemment. Donc, employé du système. Il est employé par le système. Il a l'impression employé par le système et employé du système. Il travaille pour le système. Même s'il a l'impression d'avoir tous les c'est leviers, très grave. Il travaille pour le système. Parce qu'il nomme ce que les gens veulent qu'il nomme aujourd'hui. Je suis d'accord. Et il ne peut pas enlever des gens qui, ouais, font des gâchis. Parce qu'on est dans l'immobilisme total. Il ne peut plus, ouais, sanctionner. Aujourd'hui, il y a un chambardement qui est annoncé au niveau gouvernemental en Côte d'Ivoire. Traoré au Burkina, il l'a fait. Au Mali, il y a quand même 18 nouveaux entrants au gouvernement. Mais depuis 2 ans, c'est le statu quo à Guinée. Bref. Et vous n'allez pas quand même me dire que tout le monde est bon. Et ce que je... Par rapport à l'étape de l'abbé, ben j'ai envie de savoir. J'ai essayé d'avoir le ministre de l'administration du territoire. Guillaume, malheureusement, il ne décroche pas. Alors, pas du tout. Alors que très, très heureusement pour lui, avant qu'il ne soit nommé, il courait après nos petites émissions ici. Bien, on a envie de savoir. On nous a dit que des élèves ont été sortis, mis à contribution, yeah, en tenue à l'abbé pour accueillir la première dame. Yeah. Qui est-ce qui a pris cette décision? Qui est-ce qui, je crois que c'est la deuxième journée de la rentrée scolaire, ouais, qui est allé sortir les enfants des classes, ou sinon leur a dit de ne pas aller en classe, mais d'aller plutôt accueillir? Est-ce que c'était après les heures de cours? C'est des questions aussi qu'il faut poser. Bien. Et que les enfants sont allés, même si c'est après les heures de cours, les enfants, quand ça quitte l'école, ça va à la maison. Merci, Mamadou. Merci. Oui, une précision. Justement, la polémique autour du séjour de la première dame à l'abbé et de ses propos, cette polémique a été amplifiée par cette petite phrase de notre ami Mori Kondé, ministre de l'administration du territoire. Quand il dit « Restons unis derrière le président Doumbouya qui a décidé de quitter le confort de l'Occident. » Où est le problème? Oui, même. quel confort de l'Occident? Attendez. Qui ne quitterait pas le confort de l'Occident si jamais il devait de l'Occident se retrouver à la présidence? Il faut qu'on arrête de nous faire croire. Il y a souvent nos frères Gaspo, donc la diaspora qui a été nommée ici, qui nous tambourine cet argument en disant qu'ils ont quitté le confort. On sait de quel confort on nous parle. Ouais. Attendez, de quel confort on nous parle. Ouais. Donc, je ne suis pas d'accord. Des livreurs de pizza. Je ne suis pas. Cet argument ne passe pas. Le colonel a servi comme légionnaire. Non, vous n'allez pas quand même me dire que Mori incite le colonel à rester quand même, à se cramponner au pouvoir. Oui, mais... vous n'allez pas me dire que c'est un discours qui va dans ce sens. Non, mais c'est quel confort? Vous parlez de quel confort? Bien. Quel confort? Le colonel était légionnaire, je ne sais pas si c'est le terme, il a été démobilisé, après il est venu se battre pour intégrer l'armée guinéenne ici. Justement, il faisait
excusez-moi, c'est sans vouloir lui manquer de respect, il rasait les murs comme tous les autres de l'état-major pour rencontrer. Non, on nous a décrit comment il a rencontré Idi Amin, comment il a rencontré Feu Khalifa Diallo, et ensuite il s'est retrouvé au sein de l'armée. Moi, je lui reconnais le mérite de s'être battu après son service au compte de l'armée française, de s'être battu pour intégrer l'armée de son pays. Vous comprenez? Mais qu'on ne nous dise pas qu'il a quitté son confort à l'Occident. Et parce que c'est justement ce que beaucoup de nos compatriotes ici de la diaspora qui ont eu des postes ici et qui aujourd'hui roulent carrosse essayent de nous faire comprendre. Ils essaient de nous faire comprendre qu'ils avaient des milliers et des milliers d'euros en salaire et tout ça. Il faut qu'on arrête. La plupart, des trains s'abattent. En Europe, en Occident. Les amis de cabinet. Oui, les amis des cabinets. Comment on dit, les parigots. Mais vous savez, la pratique politique, elle est à la fois anxiogène, mais aussi volatile et complexe. Vous savez, lorsque la question s'est posée ici la première fois, je vous ai dit qu'il faut que le colonel évite ce champ politique à Madame Lauriane. Parce que ce qui se passe, c'est que le distinguo entre le discours social... celui pour lequel on ne lui fera pas de reproches puisqu'elle parle de l'humanitaire. La différence, la frontière entre ce discours-là et celui politique n'est pas grande. Et vous voyez que tout de suite, cette figure-là s'est révélée. Et c'est celle-ci qui reste, évidemment, celle qui retient les attentions, les commentaires. Parce que quand elle dit que le rêve du colonel Mamadi, c'est de transformer la Guinée. Mais même si elle ne nous dit pas effectivement, c'est quoi ce rêve-là? Le rêve de la Guinée est possible avec le rêve de la Guinée est possible. Mais c'est quoi le rêve de la Guinée? Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on ne parlerait plutôt, on ne parlerait plutôt pas des rêves, de plusieurs rêves? Puisque si d'aucuns, quand vous prenez les forces vives ont pour rêve que à la fin de 2024, que le président, un président civil soit élu. Ben, le rêve de la presse, c'est de faire en sorte que ce travail-là, que notre travail, qu'on nous laisse normalement faire notre boulot. Le rêve d'autres Guinéens, c'est d'avoir des infrastructures économiques et sociales. Mais est-ce qu'il n'y a pas... En fait, on a l'impression qu'on nous fait... Elle parle d'une espèce d'université de rêve. Alors que ce n'est pas cela. Vous voyez, c'est des mots valises. On sait bien l'histoire politique. Ceci est suffisamment usité. Je pense qu'il faut éviter à Madame Lauriane, Monsieur Doumbouya. Il faut lui éviter. De descendre dans l'arène politique. Descendre là parce qu'elle va prendre beaucoup de gamelles. Parce que là, maintenant, elle va être confondue. Elle va être ciblée, là. Elle va être ciblée par les acteurs politiques. Je pense qu'il faut... Par la presse. Il faut demander à Madame Doumbouya de continuer à faire... Madame Lauriane Darbou Doumbouya. De faire dans l'humanitaire. Ceci est très bon. Encore que, après, on nous dira pas. Si toutefois, les gens commenceront à la prendre en partie... ce sera difficile pour elle de soutenir ça. Il faut la laisser en dehors du champ politique. Il est volatile, il est complexe, il est anxiogène. Bien. Manu, pour en terminer. Premièrement, moi, j'ai envie de dire que la femme du colonel Mamadi Doumbouya... La première dame de la République. La première dame, oui, c'est la première dame de la République. Comme s'inquiète cabinet, elle va prendre des coups. J'ai envie de rappeler que c'est une gendarmette, attention. Elle est prête à se battre, cabinet. Bien. je ne pense pas que c'est une femme en carton, personnellement. Bien. Et puis, étant donné que c'est la première dame de la République, je pense que même si son époux a un contrat de 2 ans ou de 3 ans pour une transition, elle ne peut pas rester inerte. Voilà. Ce n'est pas possible qu'on pense que dans sa position, elle est forcément appelée à rester tout simplement dans l'intérieur des murs du palais. On ne la voit nulle part. Non, mais personne n'a dit ça. Non, c'est pourquoi je commence par là pour dire qu'en réalité, il ne faut pas s'étonner de voir la première dame sur le terrain public. Fut-il politique ou social? Politique. Fut-il politique ou social? La première militante à côté d'un président, c'est son épouse. La première militante à côté d'un président, c'est son épouse. Oui. Mais il faut bien faire le distinguo entre le champ humanitaire et le champ politique, Manu. Ce que disent les autres, ce qu'ils soutiennent, c'est que ce qu'ils demandent à la première dame, c'est de ne pas descendre dans l'arène politique.
et de faire bien le distinguo entre le social, l'humanitaire et la politique. Restons dans le social. Bien. Restons. Parce que jusqu'ici. Restons dans le social. Jusqu'ici, elle a bien agi. Emmanuel, je précise. Elle était dans le champ de l'humanitaire. Tout est politique. Aussi, voilà, bouquet. Tout est politique à bord. Bien. On va rester sur le social et l'économique alors. Elle est à l'abbé. D'abord, je m'interroge sur le choix du contexte. Pourquoi il n'est pas allé à Zérékouré? Parce qu'on parle de la célébration de la semaine de l'indépendance. Ouais. Pourquoi il n'est pas allé à Zérékouré? Pourquoi il n'est pas venu à Kankan? Pourquoi il n'est pas allé à Gékédou chez moi? Ou à Dabola chez moi? Bien sûr. Ouais. Elle a choisi l'autre chez toi. Il faut dire ça. L'autre chez moi. Oui, mais je l'ai précisé. L'autre chez moi. Ouais. Elle a choisi. Tout comme elle pouvait aller à Mali, Mbérin, tout comme elle pouvait aller. Elle a choisi l'abbé. À Koubia, par exemple, ce sont des zones oubliées. À Yomou. Ou peut-être même à Mali, Mbérin. Chez ma soeur Djamila, où il n'y a pas de route pour aller. Mais son hélicoptère aurait certainement permis d'y aller. Oui. Ouais. Puisqu'elle était héliportée, elle aurait pu certainement s'y rendre. Ouais. Mais elle a choisi l'abbé. L'abbé. Où son mari s'est déjà rendu. Oui, son mari était à la Tabaski. Ouais. Mais non. L'abbé. Pendant le Ramadan. L'abbé c'est, Ramadan. Oui, Ramadan. Ouais. L'abbé, c'est quand même la racine de ce loup. Ouais. Quand vous venez à l'abbé, il y a un Salam Alek UFDG pratiquement qu'on vous colle. Ouais. Et vous venez à l'abbé, en tant que première dame. Mais on a plus qu'une minute. Ouais. Pour ceux qui pensent que le tout n'est pas politique, si vous venez à l'abbé, vous parlez à des femmes. Évidemment, elles ont des préoccupations d'ordre social. Et ce social, il est forcément arrimé à l'économie. Vous apportez cette réponse économique et vous pensez que ce n'est pas politique. Je suis désolé, ça va déteindre sur le champ politique. Bien parce que lorsque vous apportez... Non, mais c'est aussi le discours. Lorsque vous apportez une réponse... qui a été prononcé, Manu. Lorsque vous apportez une réponse économique à des problèmes sociaux, les fruits que vous récoltez sont politiques parce que vous êtes la première dame du président. Mmh. Vous êtes la première dame de la République. Ouais. Alors, il ne faut pas qu'on pense que quand la première dame descend sur le champ politique, elle doit faire patte blanche en ce qui concerne la politique. Même quand elle fait du social, elle fait du politique. Quand elle fait de l'économie, elle fait du politique. Parce que les fruits qu'elle en récolte sont au bénéfice de son époux. Mmh. Elle descend sur le terrain politique. À cause du statut justement de première dame dont elle dont son elle mari joue. N'est pas là pour mais faire le la dernier détail le ouais. dernier détail maintenant sur lequel moi je voulais m'attarder un peu, c'est quand on lui demande Lincoln lui demande de condamner les tueries, de demander le respect des droits de l'homme, de s'indigner le jour où Lauriane Doumbouya va prendre le micro pour s'indigner publiquement. Moi, je m'inquiéterais dans ce cas pour je m'inquiéterais de la sérénité, de la stabilité du couple Doumbouya. Ouais. Parce que... Ouais. On ne peut pas quand même lui demander cela. Le jour où votre épouse va prendre la parole en public de cette manière, c'est que vous avez un problème dans votre poignée. Non, mais c'est fou de... Oui, il a bien dit. Ouais. La nuit, je ne doute pas qu'en tant qu'épouse, elle apporte ses conseils au colonel dans la tranquillité de leur sommeil. Mais quand elle prendra le micro en public pour en parler... c'est qu'il y a un problème dans leur foyer. Bien voilà. Voilà, ceci nous conduit à la deuxième grande pause d'Amirador. C'est ce qu'on pouvait donc articuler ce matin comme commentaire sur ce déplacement de la première dame Lauriane Darbou Doumbouya hier du côté de l'abbé. On marque la pause pour nos obligations commerciales et nouveaux points info avec la rédac. On revient pour parler cette fois-ci de ces deux discours prononcés récemment par le colonel Mamadi Doumbouya, desquels l'expression « retour à l'ordre constitutionnel » est totalement absente. Et puis, suivra donc notre invité, M. Abdoulaye Guirassy, économiste, qui va nous rejoindre sur ce plateau. On revient dans quelques minutes. Salam, souriez à la vie. La Guinée se dote de classes préparatoires aux grandes écoles. Oh, vraiment? Allô? Oui, mon fils. Ça va? Ça va bien? Qu'est-ce qu'il y a encore? Vous, là, tous les temps, c'est comme ça. Problème de l'école, problème de dépenses. Mais non, vous ne me rejoignez. Il y a un crédit, moi, la Guinée, en quoi tant qu'on a quel rythme? Ou à quoi il y a des limites? Et c'est que l'école, ça défie immédiatement, il dépense sur une gaïra. Voilà, mais. Ah, ouais, il y a un fonds de sang, ça ne rien. Ah, ouais, d'accord. Il y a quel mendé? Moi, je vais venir. Demi. Voilà, la barre, c'est gars. 1 million, hein? 1 million, n'a rien qui. Il n'y a pas de problème. Bien, je vais vous remercier.
Super. Ndar assalamu alaykum. Wa alaykum ah khala boye. Non. Araba. Araba ci. Ndar khala. Ni no ko he. Woni ga de dara de passer ko sa. Mbouri na ngi. Aha. Ndar ko to fleur ina faari. Ko he. Ndia fe mo vient fo reki. Fo kam charge. Da ko e fure mo wi weki. Wala di ko to fil mo na dara. Credit la na ga credit money. La Guinée be e na be gina ma aloku won ga bay konto fil mo deni ma. Et doit y recréer ni en konkon i wa mana kan kwama asiga direct asagora kan yuma ku yofu rete mu minima direct ndo ta mana kulo ah di ma di maso i maso i maso i maso riela étoile 11 11 10 OK 10 OK abara sega abara yo tan naki ayo ah me sonia ah me di sonia bela renara credit la le Guinée ana credit money la Guinée be wone fulori. Crédit rural de Guinée, ensemble travaillons pour notre réussite. Avec Milkana, vivez des moments de bonheur et de douceur avec vos enfants. Offrez-leur le meilleur, les délicieux desserts Milkana. Découvrez leur nouvelle recette extra crémeuse, source de protéines, avec de vrais fruits mixés et du bon lait de vache. Comme avant, ils vous accompagnent toute la journée, même hors du frigo. Milkana, la force du lait, la force de l'amour. Le groupe scolaire La Licorne, situé au quartier Yimbaya Bouji dans la commune de Matoto, vous ouvre ses portes dès la prochaine rentrée des classes. Constitué d'une crèche, de toutes les sections de la maternelle et du cycle primaire, avec à la clé des enseignants compétents. C'est des salles de classe spacieuses, aérées, décorées et climatisées, dotées de tableaux bancs. C'est aussi des dortoirs, avec toutes les commodités ainsi que des toilettes d'une très grande propreté. En plus d'un espace toboggan, une aire de jeu en sous-sol des plus modernes de la sous-région. Et une cantine pour la restauration de vos enfants. En plus, la direction de l'école met gratuitement à la disposition des élèves de la maternelle toutes les fournitures durant l'année scolaire. Les places étant limitées et les inscriptions des élèves ayant commencé depuis la première quinzaine de ce mois de juin, rendez-vous vite à la direction de l'école pour connaître les modalités d'inscription de vos enfants.
Avec un taux de réussite exceptionnel de 98% à l'examen d'entrée en 7e, 88% au BEPC, ainsi qu'un solide taux de réussite de 62% au baccalauréat guinéen et de 73% au programme français, les écoles Bacan se démarquent par la qualité remarquable de leur formation et la pertinence de leur programme. Situées dans le quartier de Simon Bossia, dans la commune de Ratoma, les écoles Bacan offrent un cycle complet bilingue de la maternelle au secondaire ainsi qu'au programme français, le tout dans des installations impeccables équipées de manière moderne. Chez les écoles Bacan, l'excellence est synonyme de rigueur. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter au plus 224 621 43 71 44, plus 224 611 00 54 73 ou le plus 224 625 35 35 10. Attention, la date butoir de la vente des vignettes TUV est presque arrivée. C'est le 15 octobre 2023. Passé ce délai, tout achat de vignettes TUV sera majoré d'une pénalité de 25% conformément à la réglementation en vigueur. Pour payer vos vignettes TUV, tapez par Orange Money, étoile 144, étoile 4, étoile 8, étoile 4, dièse. Par Mobile Money, tapez étoile 444, étoile 4, étoile 6, étoile 3, dièse. Par Crédit Rural, tapez étoile 1111, dièse. Allez donc vite acheter vos vignettes pour éviter les ennuis avec les agents de la Direction Générale des Impôts et la Police Routière. Ce spot vous est présenté par DSD Guinée en collaboration avec la Direction Générale des Impôts. Guinéen est fier de notre histoire. Guinéen est fier de notre culture. Guinéen est fier de notre unité. Dans la richesse de notre diversité culturelle, nous trouvons notre force. Le 2 octobre, nous célébrons notre cher pays. Le 2 octobre, nous célébrons nos traditions. Chacun doit jouer un rôle essentiel dans la construction de notre avenir. Bonne fête nationale. Bonne fête nationale. Cherchez une école qui forme bien et qui répond aux exigences éducatives dans un monde en pleine mutation? Choisissez l'école franco-guinéenne Djandjan, un établissement scolaire moderne qui s'inscrit dans le renouveau pédagogique et le retour aux fondamentaux de base, à savoir une sélection rigoureuse d'enseignants expérimentés, conscients du caractère fondamental de la promotion et de l'excellence académique. À l'école franco-guinéenne Djandjan, nous promouvons une coéducation école-parent pour le préscolaire, une expertise avérée dans la petite enfance avec des locaux ultra-modernes et des équipements scolaires aux normes internationales. Chez nous, l'initiation à l'outil informatique commence dès la maternelle avec des logiciels ludiques et éducatifs. À partir de 5 ans, l'anglais est enseigné à tous les niveaux. À l'école franco-guinéenne Djandjan, nous disposons également d'un terrain de sport, une aire de jeu, une cantine scolaire, une infirmerie, une salle informatique, une bibliothèque physique et une crèche. Un pool de formation qualifié, tourné vers le renforcement des matières fondamentales avec une mission, préparer les élèves à réaliser leur meilleur parcours. À l'école franco-guinéenne Djandjan, nous utilisons un logiciel de gestion d'école permettant aux parents d'élèves de suivre régulièrement leurs enfants à distance et contrôler leur retard, absence et même leur rythme de révision à travers le téléphone. Les inscriptions ont déjà commencé car nos effectifs par cycle et par classe sont limités. À l'école franco-guinéenne Djandjan, nous construisons l'excellence au cœur de l'éducation. Welo welo aduna tingi tingi kino yiri salam lemone salam pom no kasahara ko salam mango angkadi salam punye no hey fi hono hina salam jillado eni joni non ko hondu gurani yo hiko no min kala ko woni ji salam ko welo la mech salam julie gefi kala ko yidu donko salam souriez à la vie. Pour assurer une meilleure rentrée scolaire à vos enfants, profitez de l'offre spéciale prêt scolaire de la Banque Sahélo-Saharienne BESIC Guinée. Empruntez jusqu'à 15 millions de francs guinéens au taux exceptionnel de 0% remboursable sur 10 mois. Les prêts sont disponibles dans les 48 heures après le dépôt des dossiers au complet. Rendez-vous vite dans l'une des 15 agences BESIC à travers le pays. Un service personnalisé vous y attend. BESIC, une vision, un instrument. Vente, troc ou réparation, chez Mediaset Plus, nous vous garantissons un service complet. Mediaset Plus, le numéro 1
des appareils électroniques et accessoires en Guinée. Le vrai goût de la nature. Alors, vous êtes plutôt salam orange, salam pomme, non, salam mangue peut-être, et salam ananas. Pourquoi pas salam multifruits? Mais vous aussi, finalement, vous préférez quoi? Moignan, hey, j'aime tout, tous les jus salam, j'adore. Salam, des jus de fruits naturels pour tous les goûts. Salam, souriez à la vie. Girite girere la bia. Ora ile salam le mun dalé du mayenge. Salam pomdo. Ile fana. Salam makoro talo. Neke ni salam ke bibita di do. Mun ne don tanya basa no talo. Ile koni. Koni mako na boto pa. Iye mo ko boto. Abe. Ju salam be du manye. Salam. Girite gingena ma. Dia sube do la de ni menna. Salam, souriez à la vie. Mirador, la plus grande tribune politique de la Guinée. L'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Aboubacar Diallo. Troisième et dernière partie de cette émission. Dans un instant, ce sujet sur la table. En Guinée, faites désormais vos comptes. Le vocable « retour à l'ordre constitutionnel » est officiellement remplacé par celui appelé « ordre des trois priorités de la transition ». Le discours prononcé le 21 septembre dernier lors de la 78e Assemblée générale de l'ONU par le colonel Mamadi Doumbouya et son adresse à la nation délivrée le 1er octobre sont comme venus officialiser ce choix, car c'est bien d'un choix qu'il s'agit, puisque le chef de l'État a lui-même lâché le mot à la tribune des Nations Unies avant de réitérer, donc assumer, le fait que l'ordre précis des priorités de la transition guinéenne est le suivant, le social, puis l'économique et enfin le politique. Ce qui inquiète davantage, c'est quand, en plus désormais de l'appeler président de la République au lieu de président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya semble se méfier, voire détester le mot « transition » qu'il n'a à prononcer qu'une seule petite fois dans son adresse à la nation à l'occasion de l'an 65 de l'indépendance de notre pays. Un constat aggravé par le fait de n'avoir réservé aucune ligne au chronogramme de 24 mois de transition convenu avec la CEDEAO dans son laïus. La Guinée étant bel et bien en transition militaire depuis plus de 2 ans, faut-il désormais parler d'un déni de réalité par le colonel Mamadi Doumbouya? Quel message se cache-t-il derrière cette nouvelle posture affichée par l'homme du 5 septembre? On pose le débat ici et maintenant. Et puis, levée de 5 000 milliards de francs guinéens par le gouvernement de transition sur le marché bancaire local. On y revient ce matin avec cette question. Les explications délivrées hier par le ministre de l'économie et des finances et le gouverneur de la BCRG dans cette même émission ont-elles permis de chasser tous les doutes au sujet de cette opération, encore considérée par des spécialistes comme inédite et comportant des risques, notamment sur la politique monétaire du pays, pas si sûr. Et donc on revient donc sur la question ce matin. Et quelles sont les implications de ce montage financier? Et qui du gouvernement ou des banques s'en tire-t-il à bon compte? Quelles peuvent être les conséquences d'une telle opération sur l'économie guinéenne et sur la politique monétaire du pays? Dans un instant, dans 15 minutes exactement, M. Abdoulaye Guirassy, économiste politologue formé en France et au Canada, détenteur d'un master en économie appliquée et d'un autre master en Sciences Po, il va nous rejoindre sur ce plateau. Il est notre invité prestige du jour. Quelques réactions en 2 minutes chrono avant donc de développer ces deux sujets. On y va avec cette sélection de Ibrahim Silla et Mathieu Guilabogui donc, qui revient. Bonjour Titi, suis une fois encore d'accord avec M. Ouri. Dans un magma de démagogue intellectuel, il sera rongé par le système. Il est englouti par ses valets. Il est assujetti à ses laudataires. Mais un tel pouvoir n'a pas longue vie.
Et c'est juste le temps de la ribambelle, ribandade, je ne sais pas ce qu'il veut dire, des tintamarres. La presse a pêché au début en accordant un blanc-seing à cette junte, au peuple de se réveiller. Et pourquoi vous l'appelez première dame de la République? Il se pose la question, son mari est-il président de la République? Soyons cohérents. Mathieu Guilavogui, toujours sévère dans ses commentaires. Bonjour Fim, bonjour à tous. Cette tournée de Lauriane Doumbouya n'est qu'un exercice de séduction. C'est du tape à l'œil pour faire adhérer le peuple à la cause de son mari. Et cette opération de levée de fonds montre à suffisance qu'il est dans la posture de confisquer le pouvoir. Djoumaba de Lambani qui nous envoie ce message. Cet autre, c'est Nanamoudou Diawara. Bonjour à toute l'équipe de Mirador. Le lancement officiel du 22e congrès international de l'eau et de l'assainissement à l'hôtel Kaloum a été une véritable réussite, un événement qui appelle tous les citoyens à s'impliquer pour enfin lutter contre l'insalubrité dans notre pays. Farah Ifono sur Facebook également. Bonjour mes chers journalistes de films. La question des signes religieux dans les établissements scolaires doit être traitée de façon minutieuse et il est important de faire recours à la législation scolaire de notre pays afin de résoudre le différend. Farah Ifono qui nous envoie ce message. D'autres réactions encore pour une minute. On y va avec qui exactement? Kamfarande Naluta Djabi, soldat du PRAC, qui dit quoi ce matin? Bonjour Aboubakar et à toute votre équipe Aboubakar. Après la mise à la retraite des pushistes, plus de par les pushistes certainement, de plus de 1400 fonctionnaires. Jusqu'à présent, on est incapable de recruter de nouveaux fonctionnaires. Mohamed Bayo, fidèle auditeur, bonjour. Le banditisme prend de l'ampleur en Guinée. L'espoir de beaucoup de Guinéens est brisé par les bandits sans que personne n'en parle. 17 attaques à main armée en un mois à Sigiri. Les gens sont agressés à Conakry en longueur de journée. Avec tout ça, on veut convaincre les jeunes à investir en Guinée. C'est vraiment dommage. S'alarme Mohamed Bayo, fidèle auditeur. Allez, cet autre aussi qui est à l'écoute, le grand frère Tiane, félicitations, bien, c'est noté. Merci à Tiane Ward qui est à l'écoute aussi depuis le Canada. On y va avec d'autres réactions. C'est qui exactement? À mon humble avis, je pense qu'on fait un faux procès au président de la transition par rapport à ses discours. Il s'est suffisamment prononcé sur la transition. Il a une date de fin. Il a été très clair qu'il ne fera pas une seconde de plus. Alors, pourquoi voulons-nous qu'il en parle à chaque sortie? Ça n'a pas de sens. Faisons-lui confiance. Si à la date prévue, il ne respecte pas ses engagements, en ce moment, on lui dira tranquillement de donner la chance à un autre Guinéen d'organiser les élections. Mais je comprends aussi pourquoi il ne veut plus en parler. Parce que connaissant le Guinéen, s'il n'entretient pas le flou pour continuer à avoir la même mise sur son gouvernement, ça sera la débandade. Et déjà, voilà, nous voyons Ousmane Gawal qui cherche à se positionner. Voilà, c'est un ancien ministre dont je vais taire le nom qui envoie ce message. Allez, je pense que c'est très pointu là-dessus. Et le dernier, c'est Billy Keïta depuis l'Empire du Milieu. Bonjour Mirador. La justice déboussolée par le ministre déboussolé. Dans le slogan du président de la transition, on avait oui dire que la justice sera la boussole. Mais le temps nous a donné raison. Le sacré est tout sauf un légaliste de loi. Je ne sais pas ce qu'il veut dire. Il a oublié vite qu'il doit se rappeler quand il a été suspendu par le ministre Alain Moriba Koné. Ce dernier a levé sa suspension sous pression, malgré qu'il avait déjà saisi le CSM. Aujourd'hui, plutôt au jour d'aujourd'hui, il y a 8 plaintes contre le sacré devant le CSM. Il faut que le ministre sacré Charlie Chaud prenne les Guinéens au sérieux. Il a un passé sombre, selon Billy Keïta. Mirador, continue, Babin. Fine. Mirador, la plus grande tribune politique de la Guinée. L'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique.
Aboubacar. Et voilà, tu écrivais ce matin, voilà, en Guinée, il faut faire désormais, faites désormais vos comptes et vous poursuivez le vocable retour à l'ordre constitutionnel, semble remplacé par celui appelé ordre des trois priorités de la transition. Soit pour beaucoup d'observateurs, il y a à s'étonner que le président de la transition n'ait pas abordé le processus de retour à l'ordre constitutionnel dans son pays, en Guinée, dans ces deux dernières sorties, aussi bien à la tribune des Nations Unies qu'à dans son adresse à la nation à l'occasion de l'an 65 d'indépendance du pays. Mais pour d'autres, comme on vient de l'entendre, en tout cas, sous la plume d'un ancien ministre d'Alpha Condé, il n'y a pas à s'arracher les cheveux, il n'y a pas à se faire un sang d'acre là-dessus. D'autant que le colonel, pour lui, le colonel a donné sa parole d'homme, sa parole de soldat et pour une transition de 2 ans, en tout cas conformément à un accord avec la CEDEAO. Pour lui, il faut le tenir au mot et il n'a pas besoin de ressasser cela à tout bout de champ. En le tenant au mot, justement, à la tribune de l'ONU, il disait « La transition que je dirige a choisi ». Bien. Donc c'est un choix assumé, comme on l'a dit dans l'intro. A choisi de se consacrer avec méthode en fixant des objectifs clairs dans un ordre précis. Ouais. Le social, l'économie et le politique. Dans l'adresse à la nation, il dit dans le but d'atteindre, dans un ordre très précis, cette fois-ci. Insiste-t-il. Voilà. Donc, alors que entre les deux discours, les gens s'étaient indignés qu'il... Ne fasse pas mention de... Que la transition... est pour priorité d'abord le social, ensuite l'économie, et il réitère, il insiste, il persiste en disant cette fois-ci dans un ordre très précis, donc les trois priorités de la transition, le social, cette fois-ci l'économique et le politique, on en a déjà parlé. Qu'est-ce qui pose problème? Il y a une dizaine de jours entre les deux discours. Ouais. Une adresse à la nation doit pouvoir répondre à des interrogations. Doivent pouvoir répondre à une série de questions que tes compatriotes se posent sur les sujets les plus brûlants, sur l'actualité la plus brûlante. L'air du temps est dédié à la transition. Ouais. Donc, lorsque dans ce discours, comme on l'a dit, de plus de 1000 mots, le mot transition n'est prononcé qu'une seule fois. On n'a aucune idée, aucune réaffirmation de la volonté. Ou des engagements. Des engagements d'un retour à l'ordre constitutionnel. D'abord, c'est-à-dire réaffirmer cet engagement et le confirmer par le souci, la détermination de respecter les 24 mois. Ouais. Accepter que l'on se pose. Que l'on s'interroge. Ce ministre dont vous parlez, je ne sais pas c'est qui, mais on sait bien que... On va quand même balancer son nom ici, Oui, je comprends. Vous n'allez pas quand même me le demander. Non, je ne dis pas, mais Lincoln nous a bien dit qu'il y en a de ces anciens ministres qui sont... À ma mère 5. Rassurez-vous, je peux vous rassurer que celui dont il s'agit n'est pas du tout n'est pas du tout à la grande table. Il n'est pas à la grande table. On ne le connaît pas. N'allez pas me faire cracher le morceau. Je peux vous garantir. Je suis en train de vous dire. Mais il n'est pas à la table. Je suis en train de vous dire que il y a une série justement de signaux qui inquiètent lorsqu'on l'appelle. Maintenant président de la République. Et le mot transition est même interdit à plus forte raison. Le terme retour à l'ordre constitutionnel, acceptez que nous nous interdisons. Non, mais le mot transition n'est pas interdit. Je vous dis que j'en ai un discours de 1000 mots, il n'est prononcé qu'une fois. Et pour nous rappeler que sa priorité, ce n'est que c'est d'abord le social. Ensuite, l'économique est plus loin. Et plus tard, le politique. Accepter donc qu'on se pose des questions. Bien. Tout cela n'est pas rassurant. Parce que, Aboubacar, on ne peut pas gouverner en étant en décalage, en césure avec les réalités. Avec les préoccupations des populations. Aboubacar, ne me faites pas rire, le sujet est suffisamment dramatique pour que nous nous... Non mais c'est l'emphase que tu y mets, c'est ce qui m'est... Aboubacar, nous ne voulons que le président, Mamadi Doumbouya... En césure, en cassure. Que Mamadi Doumbouya 1 revienne. Mamadi Doumbouya original. Parce qu'il y a Mamadi 2, peut-être que Mamadi 3, il y a Mamadi 1 du 5 septembre qui nous dit qu'il va lutter contre les erreurs du passé. Mamadi 2
qui ignore et qui aborde, qui déteste même le terme transition. Non, pas qui aborde. Oui, oui. Et puis, Mamadi. Tu exagères, donc, Talibé. Oui, qui déteste le terme transition. J'aime les gros mots. Oui, d'accord. Ils ont leur sens. Bien. Oui, vous en êtes un champion d'ailleurs. Donc, qui nous dit qu'il ne parlera prioritairement que de politique et de social. Et donc, Mamadi 3, ce sera le Mamadi politique. Mais quel Mamadi politique? Est-ce que c'est un Mamadi qui va, cette fois-ci, consacrer tous ses efforts au retour à l'ordre constitutionnel en privilégiant cette fois-ci la réalisation du chronogramme? Je pense que c'est l'agenda en fait. Son intention semble être claire, c'est quand même de doter le pays d'un minimum d'infrastructures, de faire quand même un minimum de réalisation. Mais attendez, c'est pas un crime, monsieur. Mais où est le crime? On est contre ça. Où est le crime? C'est un crime comment? C'est un crime. Où est le crime que de vouloir faire laisser un minimum de Mais quand même, soyez réaliste. Vous voulez qu'on s'arrête? Je voulais que le pays s'arrête. Écoutez, Mamadou, quand même, Abakar, je voulais terminer en disant que le ministre de l'économie disait ici hier, vous pensez que je ne suis pas plus content en empruntant la route Koya, Mamou chez moi en 3h ou 3h30 que qu'en 8h comme par le passé? Qui veut refuser des infrastructures à l'État, à la Guinée, aux Guinéens? Mais à côté, il y a l'essentiel, le prioritaire des priorités d'une transition, c'est le tout à l'ordre. Oui, mais pendant ce temps, on a entendu, on a suivi le porte-parole du gouvernement quand même. C'est une voix autorisée. Ousmane Gawal, sur le plateau de TV5, a fait un point sur l'évolution du chronogramme. Il ne s'est pas débiné là-dessus. Ousmane Gawal il n'en a pas parlé. Mais vous voulez me dire que ça n'évolue pas? Quelle évolution? Non, mais dites-moi. Le retour à l'ordre constitutionnel. Non, mais qu'est-ce qui évolue? Mais tu vas pas me dire quand même que rien ne se évolue. Non, mais qu'est-ce qui évolue? Qu'est-ce qui n'évolue pas? Qu'est-ce qui évolue? Qu'est-ce qui n'évolue pas? Mais avec où en sommes-nous? Oh non, mais attendez. Qu'est-ce qui évolue, Aboubakar? La constitution, mais vous êtes au courant. Et dans ça, il nous l'a dit. Vous savez très bien. Je peux me permettre. Et faire, c'est différent. Non, mais attendez. Il est prévu normalement que d'ici la fin du mois d'octobre, que l'avant-projet de la constitution, la nouvelle constitution, soit prêt. Oui, mais Aboubakar, on ne l'a pas encore. Vous n'allez pas me dire que rien ne se fait quand même? Non, on n'a pas dit ça. Kalom a un bon visage. Kalom a fait sa toilette. C'est bien. Bien. Il y a des routes. Les gars, non, mais sortez de cela. Oui, non. Soyez quand même un peu positif. Je suis en train d'apprécier. Je suis positif. Wallahi, c'est bien. Mais, Aboubakar, Wallahi. Les routes, Abaka, c'est bien. Wallahi. Laisse-moi apprécier. Tu parles comme un guerrier quoi, ce matin. J'ai bien dit. Parce que tu veux que je dise quoi? Bien. Wallahi, c'est bien. Wallahi, c'est bon. Les routes. Wallahi, quand c'est bon, c'est bon. Je suis positif. Kalom a fait sa toilette. Aujourd'hui, il y a des belles ruelles à Kalom. Bien. Les belles avenues. On a crié à fière allure. On a crié à fière allure. Il faut le dire. Bien. Tout ça là, c'est bon. Bien. Ça nous rend fiers. Bien. Il y a des carrefours tracés. Il y a des feux rouges. Bien. Les routes. L'éclairage public s'est amélioré. L'éclairage public, bien. Tout ça là est bon, bien. Même si je ne mange pas 3 fois par jour, comment ça, ça aussi c'est bon. Mais non, comment ça? C'est bon, bien. On parle d'économie. Mais moi j'ai faim, Aboubakar, d'autres ont faim, je commande. Aboubakar, bien. La transition est hautement politique. Nous sommes d'accord pour tout ce qui se fait parallèlement. Les deux choses vont parallèlement, monsieur. Oui, mais aujourd'hui... Oui. C'est ce qu'il faut dire. C'est cette communication que le gouvernement doit déployer derrière les deux sorties du président. C'est aussi de dire, c'est vrai que ça n'a pas été mentionné expressément dans le discours, mais ça ne veut pas dire que rien ne se fait sur le terrain dans le cadre de l'exécution de l'agenda de la transition. Tout ce qui est bon est bon. Vous n'avez pas négatif. Voilà. Non, on n'est pas négatif. Le RGPH, parce que ça fait partie des 10 étapes. C'est en cours. Et le RAVEC est en cours. Abakar, une précision. Abakar, il y a une précision. Le RAVEC n'est pas en cours. Abakar, je vais encore insister. Le RGPH n'est pas une activité d'attribution. Bien, ouais. L'opération là est prête, ça va bien être lancé aujourd'hui. Bon, ben, faites on venir le parler mais, du RAVEC. Mais pas l'accuser, faites venir le RAVEC. Le RAVEC, c'est à ça bien qu'on devrait s'atteler. C'est Mamadi, faites venir la réalité. Abakar, il y a une chose. Bien, il y a une chose. Ouais, pour conclure. Le colonel a toujours justifié la prise du pouvoir depuis plus de 2 ans maintenant. Mais pourquoi il ne peut pas réitérer encore son engagement à respecter le retour à l'ordre constitutionnel? Donc s'il le fait, c'est pas un mauvais exercice. Nous apprécions ce qui est bon, mais on veut Il n'a pas besoin de le dire à tous les jours quand même. Oui, si tous les jours il justifie le coup d'État, tous les jours il doit retirer son engagement. Parce que justifier le coup d'État, c'est aussi un exercice auquel il est attaché. Merci, Donc c'est très important. Pour que chacun puisse avoir une minute, s'il te plaît. Ben, allez-y, Bassiko. Aboubakar, peut-être faudra... Ouais, je t'attends au tournant là. Bien, oui.
Bien. Non, mais c'est que c'est ça. Oui, bien sûr. Non, mais vous me. Je t'attends sur un pied de guerre, là. Non, Aboubacar. Oui. Sincèrement, tout gouvernement de transition. Tu ne vas pas aller dans les décors. Aboubacar, oui. Sincèrement, tout gouvernement de transition militaire a pour mission de travailler au retour à l'ordre constitutionnel. Oui, c'est ce que mais c'est que chez nous, on est en train d'inverser les choses. Oui. On pense que les priorités du moment, c'est le social, c'est l'économie. Mm. Et on essaie d'arrimer à tout cela. La politique, comme Talibé l'a dit, c'est-à-dire que c'est une. En fait, ça ne constitue même plus une priorité. Mm-hmm. Vous savez très bien que les observateurs, non, Aboubacar, ouais. Ne dites pas. Non, mais. Non, Aboubacar, vous ne pouvez pas nous dire. Il y a un travail qui se fait au CNT. Aboubacar, monsieur. Vous ne pouvez pas nous dire. Il y a un travail qui se fait au CNT ou pas. Après les non, mais attendez. Regarde je te pose la question. Le il y a un travail qui se fait au CNT Aboubacar, ou pas. Non, mais ils sont en train de travailler sur la Constitution. Mais tout dépend. Tout doit découler de quoi? Aboubacar. Du texte fondamental de la Constitution qui est en cours d'élaboration. Et dont l'avant-projet est presque prêt. Et après, vous voulez quoi? Aboubacar. Oui. On vient de lancer un processus d'emprunt de 5000 milliards de francs guinéens pour le développement. Oui, pas d'amalgame. Non, mais s'il te plaît, c'est important. C'est un problème? Oui, non, attends, pendant ce temps, on peine à mobiliser les 600 millions de dollars pour financer les 10 étapes du chronogramme de la transition. Ouais. Mais si, c'est important. Bien. Si c'était une priorité pour le gouvernement, aujourd'hui, on devrait faire des efforts pour pouvoir mobiliser l'ensemble des montants qui doivent servir à financer ce processus c'est de la transition. C'est un processus parallèle. Oui, mais pendant combien de temps? 2024 arrive bientôt, Aboubacar. Et pendant ce temps, dites-nous qu'on n'est pas en retard sur les 10 étapes qu'on doit aujourd'hui exécuter pour le retour à l'ordre constitutionnel dans ce pays-là. Mais le gouvernement te dit que voilà, ce sont des discours qui ne tiennent pas, Aboubacar. Bien. Qui contrastent avec la réalité sur le terrain. C'est ça la vérité. Ouais, la priorité aujourd'hui du gouvernement du CNRD. Tu n'en sais pas beaucoup. Non, si. Oui. La priorité aujourd'hui, c'est l'économie, Manu. C'est le social. Bien. Allez-y, Manu. Je pense que d'abord. On ne peut pas dire, en vouloir à Mamadi Doumbouya de ne pas marteler tous les jours que nous sommes dans une transition. Je suis d'accord avec cet ancien ministre qui dit que Mamadi a pris un engagement au départ. Et moi, je dis, ce qu'il faut regarder, c'est le point d'arrivée, ouais. Pas le cheminement. Ouais. Il y a un point d'arrivée, il y a un objectif qui est fixé. Cet objectif, il est chiffré, il est daté. Ouais. C'est celui-là qu'il faut viser. Ouais. Le colonel a pris un engagement, ouais. Un engagement d'officier. De soldats. Jusque là, il n'a pas dit qu'il l'a renié. Non. Donc, on estime qu'il est en train de le respecter. Je ne vais pas parler Lincoln quand vous parlez. Bien, bien. Je dis. Allons-y très vite. Parce jusque qu'il là, a plus que deux minutes. Jusque là, il n'a pas dit que la transition ne prendra pas fin en 2024. Ouais. Nous sommes sur cette trajectoire. Tout à fait. Nous attendons que 2024 finisse et que on ne soit pas au point d'arrivée. Mm. En ce moment, on pourra. Dire au colonel, vous avez violé le contrat. Ouais. Pour l'instant, le contrat est en cours. Attendons qu'il le viole. Ce qui va se passer, Manu, après, c'est que. Voilà, on s'occupera après, de politique. Je vais te dire, on s'occupera de politique en 2024. Je pense que c'est aussi. Quand la nouvelle constitution sera prête, on ira au référendum constitutionnel dans le premier trimestre. Je pense que beaucoup de choses. Dans le premier trimestre de 2024. Beaucoup après, de choses. Toutes les autres étapes vont suivre. Beaucoup de choses tournent autour de la constitution. Il ne faut pas s'alarmer aux mesures. Voilà. Beaucoup de choses tournent autour de la constitution. Calmez le jeu, monsieur. Cette constitution, le CNT, nous dit qu'elle sera prête bientôt. Bien. Moi, je pense qu'il faut attendre d'avoir cette constitution parce que tout va tourner autour d'elle. Ouais. Quand elle sera là, après, on verra est-ce que les élections seront organisées ou pas. Bien. Et puis, ce n'est pas parce que je suis d'accord que la transition, son objectif, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Mais ce n'est pas parce qu'on veut retourner à l'ordre constitutionnel qu'on va mettre l'économie en berne. Non, mais s'il vous plaît. C'est quand même, si. C'est quand même aberrant. C'est aberrant d'entendre cela. C'est-à-dire qu'il ne faut pas. Oui. C'est même fou de dire que le colonel ne doit pas. Ne doit pas s'orienter vers les infrastructures. Bien. Mais s'il vous plaît. Attendez quand même. Le pays a besoin de. S'il peut conduire la transition et apporter des infrastructures. Quand même. Mais il faut. Mais sortons de cela à un moment donné. Il y a des Guinéens dont la vie. Sortons de cela, s'il vous plaît. On ne peut pas sortir de cela. Il y a des Guinéens dont la vie tient à ces infrastructures. Allez-y, cabinet. Il ne faut pas en vouloir au colonel de faire les infrastructures. Oui. Tant que cela ne l'empêche pas de faire la transition. Allez-y, cabinet. Mais non, mais on ramène tout à la politique, s'il vous plaît. C'est difficile de reprocher à un gouvernement qu'il soit. Transitoire ou légitime et légal de travailler à la mise en place d'infrastructures économiques et sociales. On ne peut pas faire ce reproche-là. Ouais, ce procès, parce que l'État c'est un procès en sorcellerie. Ouais. Les besoins des populations, les besoins prioritaires des populations s'accentuent, ils évoluent. On a toujours besoin de routes et autres. On ne peut pas faire ce reproche-là. Ouais. Il y a un travail qui est en train d'être fait au CNT et qui est essentiel. Il faut quand même rappeler que l'écriture de la nouvelle constitution va déterminer, par exemple, le type d'OGE.
bien sûr. La constitution va déterminer. Tout va découler de. Va déterminer cette loi fondamentale. Le type de régime. Bien. Vous voyez, donc. Plein de choses. Il y a un travail qui se fait, certes, en sourdine et peut-être moindrement. Non, mais qui se fait très bien d'ailleurs. Oui, je veux dire, moindrement. Le CNT fait un travail formidable. Oui, je veux dire, sincèrement, il faut le reconnaître. Pas que sur, je vous assure. Pas que celui du CNT. Je vous assure, ouais. Quand vous prenez le RAVEC... Dans ça, c'est l'un des mœurs de cette transition. Je vous assure. Abouaka, c'est pas pour faire de la basse flagorine. Quand c'est bon, il faut le dire. J'ai aucun complexe à le reconnaître, monsieur. Quand vous prenez les 10 points, vous avez des activités dont le travail est celui d'arriver rapidement au retour à l'ordre constitutionnel. Ouais. Et parmi ces points, vous avez l'écriture de la transition. Vous avez l'édiction du fichier électoral. Et ce fichier électoral-là, c'est le RAVEC et les autres qui vont les permettre. Bien. On nous dit qu'ils sont en train de mobiliser. L'évidence qui est quand même à souligner, c'est que ça rame un peu sur la mise en place de ces activités proprement politiques. Vous voyez, ça, on ne peut pas. Bien. On ne peut pas. Mamadou, oui, pour terminer. Merci bien. Mais non. Je pense qu'il faut mettre. Mais il faut quand même 30 minutes pour l'inviter, Talibé, s'il te plaît. Je suis allé. Attendez. Mamadou, oui, pardon, s'il te plaît, Abakar. Oui. Je suis allé exhumer le discours, l'adresse à la nation du chef de l'État, le 2 octobre 2022. Il dit : je voudrais de nouveau rassurer nos compatriotes et les amis de la Guinée, que les forces de défense et de sécurité et l'ensemble des membres du gouvernement n'ont aucune intention de confisquer le pouvoir. Bien. Ils sont plutôt anses et déterminés à œuvrer pour un retour à l'ordre constitutionnel tout en évitant les erreurs du passé. Mais il ne va pas remettre ça tous les jours. Non, il va pas quand même ressasser ça tous les jours. On a demandé de cette réitération aujourd'hui que au moment où on n'était pas dans l'exécution du chronogramme de la transition. Bien. Mamadou, pour clore. Mais si vous voulez, on remettra le débat 100 fois dans cette émission. Bien, allez-y. Oui, on va le remettre demain. Bien. Mamadou, oui, bien sûr. Si Ouri est d'accord, bien sûr. Oui. En fait, vous savez, j'ai dit tout à l'heure que j'ai l'impression que nous sommes dans une TDI, une transition à durée indéterminée. Et effectivement, les signes sont symptomatiques de cette situation, en tout cas de ce que je pense désormais de la durée de la transition. Oui. Et puis pour répondre à l'ancien ministre, je pense que ce n'est pas parce que, je vais dire, le musulman, il sait qu'il doit prier 5 fois par jour, aller faire le pèlerinage et respecter tous les préceptes islamiques pour rentrer au paradis, que tous les vendredis, l'imam ne ressasse pas ces valeurs-là. Quand vous sortez dans la circulation, les panneaux de signalisation sont toujours là pour vous dire qu'ici, vous n'allez pas dans ce sens-là. Ici, vous pouvez circuler pour vous rappeler cela à l'esprit. Ce n'est pas parce qu'à la mairie, vous avez juré fidélité à votre femme qu'elle va rester aveugle sur vos comportements, sans regarder si vous la trompez ou pas. Ouais, bien sûr, J'ai envie de dire que ce n'est pas non plus un crime si Mamadi, à chaque fois qu'il prend la parole. Et chaque fois-là, ce n'est pas tous les jours, c'est des occasions solennelles, annuelles, pour la République, qu'il ne va pas se réengager face à la nation. Très bien. Qu'il doit respecter. Donc deux fois de suite, si vous allez parler au nom de la Guinée, que vous ignorez un des piliers importants de la transition, qui est le pilier politique, j'ai envie de dire, en français de la rue ou en causerie de salon, vous foutez des gens. Ouais. C'est aussi clair que ça. Ouais. Malheureusement, ce sont les gens qui lui font dire ça, qui lui font faire ça, qui lui écrivent ce discours à Aboubakar. Et je revisite la charte qui est enterrée, selon Emmanuel, déjà déchirée. Il l'a dit. Ah ben non. Mais tu n'as pas voulu la prendre la dernière fois. Oui. Passé, tu me l'as retournée. Bien. J'ai une copie de ta charte. Voilà. Alors, il y a une partie qui parle du renforcement, je veux dire, de la refondation de l'État pour bâtir des institutions fortes, crédibles et légitimes, garantissant un État de droit, un processus démocratique inclusif. Bien. Et puis à la fin, parce que les missions de la transition, c'est 9 points, il y a l'organisation des élections locales et nationales libres, démocratiques et transparentes. Au moins à ces occasions, il doit rappeler, réitérer. L'omerta a été observée dans les 10 discours sur quand même une question principale, le dialogue. Ouais. Pour un chef d'État qui incarne tous les citoyens, vous savez qu'une des actualités dans votre pays, c'est qu'il y a une rupture de dialogue. Il y a une grande partie des acteurs qui ne sont pas impliqués dans le dialogue. Vous profitez de cette occasion avec humilité et prise de hauteur. Vous les interpellez à nouveau. Bien. Et vous prenez à témoin l'opinion. Bien. Vous ne le faites pas. Ou on ne vous le fait pas faire, parce que c'est quelqu'un on qui a le fait pas dire. On vous le fait pas dire. Ces gens-là, ils sont en train de l'induire une fois encore en erreur. Ouais. Et je pense que donc vous en prenez toujours à l'entourage. Jusqu'à preuve du contraire, nous sommes désormais dans la TDI. Bien. Transition à durée indéterminée. Et bien voilà, expression inventée, chère à Mamadou Ouri Diallo. À présent, place à notre invité.
Mirador. La plus grande tribune politique de la Guinée. L'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Aboubacar Diallo. En une minute chrono, avant de passer la parole à notre invité, ce message de qui exactement? Poulo Toro Lissa, le patron des auditeurs de FIM. Bonjour Lissa, bonne rentrée scolaire où chaque élève devrait se sentir libre d'exprimer sa foi tout en poursuivant son éducation. Espérons que l'interdiction des voiles dans les salles de classe puisse être repensée pour favoriser la diversité et l'inclusion. Cet autre aussi, Bella Kamano, même sur le plan des libertés, il faut que tous comprennent que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Le port du voile doit être interdit pour protéger la majorité contre le djihadisme. Allez, ce message aussi en provenance du Libéria avec Barry Abdoulaye Fugumba. Bonjour le guide médiatique, s'il vous plaît, en tant que journaliste, continuez à mettre à nu la gouvernance actuelle pour qu'on puisse voir réellement si nous sommes toujours sur le chemin du 5 septembre 2021, car ce que nous entendons actuellement est inquiétant pour le pays. Enfin, voilà, je reviens dans le tas, Mohamed Fofana, du côté du sous-marin jaune, Dr Kassouri n'a jamais refusé de se présenter, il a toujours dit que si son état de santé lui permettait de se déplacer pour y aller, il le fera pour sa propre dignité et pour montrer au peuple la vérité. Mohamed Fofana du RPG Cancel. Ce sujet, donc, on le développera demain dans cette même émission. La parole à notre invité. FIM FM, Mirador, parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador, ici, la parole est directe. Bonjour, monsieur Abdoulaye Girassi, le plaisir de vous recevoir pour la première fois sur ce plateau de Mirador. Bonjour à Aboubacar et bonjour à vos millions d'auditeurs. Tout le plaisir. Alors, pour commencer, est-ce que c'est une première, en tout cas, dans cette émission, qui est M. Abdoulaye Girassi? Alors, on présentait votre fiche signalétique comme un économiste, un politologue, détenteur d'un double master, un master en économie appliquée, mais aussi un master en sciences po. Qu'est-ce qu'on peut en savoir de plus? Effectivement, vous avez tout dit. Abdoulaye Girassi est un fruit de l'école guinéenne. Très bien. Après mes études primaires et secondaires, puis à Gamal, je me suis rendu en France, au sud de la France, à l'Université de Limoges, où j'ai passé un master en économie appliquée. Très bien. Et puis à l'Université Lyon, Jean Moulin, Lyon 3, où j'ai passé un master en sciences politiques. Au terme de 6 années passées en France, dans l'enseignement, et j'ai été admis au Canada au titre de travailleur qualifié, où j'ai passé 9 ans de ma carrière. Donc j'ai pu de retour en Guinée depuis 2019, où je sers mon pays pour un peu rendre ce que mon pays m'a tant donné. Très bien. Alors, on parle de cette opération grandeur nature, hein, parce que quand même, ça porte sur un montant de un peu plus de 500 millions de dollars si on convertit le montant du franc guinéen en dollars. 5000 milliards, ça fait débat dans l'opinion et chez les spécialistes. Vous en êtes un. Qu'est-ce que l'on peut retenir à propos cette opération? Quelles en sont les implications? Je posais la question dans l'intro, qui de l'État, en tout cas du gouvernement ou des banques, s'en tire à bon compte? Bien, M. Diallo, il est d'abord important de contextualiser un peu ce montage financier. Ouais. Ce montage financier fait suite à un solde budgétaire dégagé. Le gouvernement, dans la LFR, la loi de finances rectificative, a tablé sur une recette d'environ 29 000 milliards contre des dépenses chiffrées à 37 000 milliards, ce qui dégage un besoin de financement de l'ordre de 8 000 milliards.
ce qui dégage naturellement un gap de l'ordre de 8 000 milliards. Bien. Et donc, pour financer ce gap-là, le gouvernement a misé sur une levée de fonds de 5 000 milliards, soit 62% du montant total des déficits publics. Donc, il faut le dire que cette opération est tout à fait normale, légale, elle n'est pas improvisée, elle est même prévue dans la loi de finances rectificative. Bien. Ça, c'est important à préciser. D'entrée. Et parce que aujourd'hui, le gouvernement, c'est un secret de polichinelle, fait face à un besoin de trésorerie. La position du trésor à la Banque centrale est une position un peu difficile en ce moment, au regard des immenses travaux que le gouvernement a ouvert ça et là, ce qui est tout à fait salutaire d'ailleurs. Ouais. C'est sans précédent, il y a quand même des gains en matière d'infrastructure, ce qui est à saluer. Mais financer des routes, des ponts, des écoles, ce sont évidemment des infrastructures très lourdes. Il vous souviendra que pour faire un kilomètre de bitume, il faut déployer la bagatelle de 1 million de dollars. Ouais. À un moment donné... Voire plus. Ouais. Et tous ces financements-là sont financés sur nos fonds propres, sur le BND essentiellement. Ouais. À un moment donné, la liquidité va se raréfier. Nous sommes dans cette situation aujourd'hui et le gouvernement fait preuve d'inventivité pour trouver justement des sources de financement. Dans ce cadre, le gouvernement a misé sur les ODT. Les ODT, parce qu'aujourd'hui, il y a un recul net des recettes douanières pour laisser place aux recettes fiscales. Parce qu'aujourd'hui, nous avons l'un des taux de pression l'un des plus bas de la sous-région, autour de 13%. L'LFL a même ramené à 12%, ce qui est une très mauvaise nouvelle, alors que la moindre de la sous-région, c'est 18%. Ouais. Ça, on doit le revoir. Mais aujourd'hui, la douane est en recul. Et c'est tout à fait normal, surtout avec la ZLECAF, la zone de libre-échange de l'Ouest à l'échelle continentale, qui doit consacrer la suppression des barrières tarifaires à l'échelle africaine. Ne soyez pas étonné que dans les régions proches, que la douane continue à reculer en termes de recettes douanières. Ouais. Et c'est tout à fait normal dans les pays civilisés, dans tous les pays au monde, aux États-Unis, au Canada, en France. La fiscalité, les recettes sont tenues par la fiscalité intérieure. Mais pas impôts, par la fiscalité de porte. La fiscalité de porte est juste là en appoint. Elle est plus motivée par les impératifs de sécurité, les impératifs de sécurité que par les données financières. Donc, on revient à la normale. Il n'y a pas de s'alarmer. C'est tout à fait normal et légal. Cependant, le gouvernement a fait le pari de recourir à ce qu'on appelle les ODT, les obligations du trésor, qui fonctionnent comme les bons du trésor. À la seule différence que les ODT, c'est la maturité qui les diffère, la maturité. Ouais. Les bons du trésor sont généralement levés sur le court terme. Ouais, 81 jours. 81 jours. Ouais. Alors que les obligations du trésor, c'est sur le moins et long terme, de 2 ans à 50 ans. Tout à fait. En France, on les appelle les obligations assimilables au trésor. Très bien. Là, justement, c'est une obligation très complexe. Mais là où ça fait un peu de complexité, parce que le gouvernement table sous 2 000 milliards, sous 4 ans, avec un taux d'intérêt de 9%, et puis 3 000 milliards, sur 5 ans, avec 13% de maturité. Mais en plus, hors taxe, en taux d'intérêt. Mais là où le montage se complique un peu, laissez-moi vous expliquer un peu, c'est le choix que le gouvernement a fait. Il y a deux formes d'obligation du trésor. Bien. Est-ce qu'on appelle l'obligation du trésor par adjudication, qui fonctionne comme les bons du trésor, également, on fait la levée des fonds, on fait la vente aux enchères. Il y a l'autre côté qu'on appelle les obligations du trésor par syndication, où les banquiers ou les gens se réunissent en groupement d'intérêts, en corporation, pour négocier un peu les clauses, les modalités de fonctionnement. Et visiblement, nous inscrivons dans ce cadre-là-ci, on a affaire à une obligation par syndication. Bien. Et là, le gouvernement fait le choix de porter un peu son choix, de lever des fonds à travers ce qu'on appelle des réserves obligatoires. C'est là où la chose devient plus sérieuse. Bien. C'est quoi une réserve obligatoire, M. Diallo ? Oui, allez-y. La réserve obligatoire, c'est une fraction de revenus que la banque... En fait, les banques centrales, toutes les banques centrales ont des comptes des banques commerciales. Les banques commerciales ont l'obligation d'ouvrir un compte à la banque centrale. Tout à fait. Et dans ces comptes-là, les banques sont obligées de transférer une partie de leur avoir à les garder là. Tout à fait. Et là, justement, quand vous faites un dépôt, vous faites un dépôt de 1 million dans votre banque, votre banque X a l'obligation de transférer un certain montant de ce montant de dépôt-là à la banque centrale sous forme de réserve obligatoire. Ouais. Et actuellement, ces réserves obligatoires-là sont de 15% et viennent descendre à 13%. Ouais. Ça veut dire quoi? À savoir que vous déposez un montant, votre banque est obligée de reverser à la banque centrale
13% de ce montant-là sous forme de réserve obligatoire. En le faisant, la banque ne le fait pas pour faire de l'argent. Non, ce n'est pas pour ça, mais c'est pour des impératifs de politique monétaire, de contrôle de la liquidité. Parce que contrairement à la croyance populaire, la monnaie, quand on prend la masse monétaire, les 100% de la masse monétaire, l'essentiel de la masse monétaire est créé par qui ? Est créé par les banques commerciales. Ça, on ne le dit pas assez. La banque centrale ne crée qu'une infime partie, soit les 10%. Et tous les 90%, vous tenez-vous bien, revient aux banques commerciales sous forme de monnaie scripturale. Ce qui donne un pouvoir exorbitant aux banques commerciales. Encore faudrait-il que ce soit encadré. La banque centrale est là alors pour surveiller, pour encadrer. C'est dans ce cadre que la banque centrale agit à travers ce qu'on appelle les instruments de politique monétaire. Il y en a quatre principalement. L'encadrement des crédits, l'open market. Mais le plus important, il y en a deux instruments. Le premier instrument le plus important, c'est d'abord le taux d'intérêt, qu'on appelle le taux directeur. On l'appelle taux d'escompte, taux de refinancement, peu importe. Et deuxième instrument le plus important, c'est les réserves obligatoires. C'est l'un des éléments les plus importants de la politique monétaire dont le gouvernement a fait le choix de ponctionner au niveau de la banque centrale. Mais là où l'opération se complexifie, c'est que le gouvernement est sous la facilitation de la Banque centrale et l'APB, l'Association des professionnels de banque, ont fait le choix de ponctionner un peu cette partie des réserves obligatoires détenues à la Banque centrale au nom des banques commerciales. Donc de ponctionner les 13% des avoirs des banques déposés à la Banque centrale. Justement, et comment ça se passe? Et donc de prêter cela à l'État. Voilà, mais comment ça se passe? L'opération n'est pas aussi simple que ça. Il faut expliquer un peu les circonstances. Je pense qu'on va bénéficier d'une rallonge de 5 minutes là de la part du Babin. Vous poser la question. S'il vous plaît, monsieur Babin. Bien. Vous poser la question. Bien. Est-ce que si la Banque centrale ne diminue pas, n'abaisse pas le taux des réserves obligatoires, est-ce que ce montage-là aurait été possible? C'est ça la question. La réponse est clairement non. Ça veut dire que la Banque centrale a été obligée d'abaisser son taux des réserves obligatoires de 15% à 13% À la demande des banques, pour répondre à cette sollicitation. Bien sûr. Ce qui est un choc terrible à l'indépendance de la Banque centrale. La Banque centrale doit être indépendante, autonome. Les seules motivations qui doivent guider une Banque centrale à abaisser son taux directeur ou son taux de réserve obligatoire, c'est les impératifs de politique monétaire. D'ouvrir le robinet de la liquidité quand c'est nécessaire et refermer quand c'est nécessaire. La Banque centrale a une seule mission. Son existence, il a une seule mission. Calibrer l'offre de monnaie aux besoins des agents économiques de manière à avoir une stabilité sans inflation ni déflation. Et apparemment, dans cette opération-là, ce ne sont pas les impératifs de politique monétaire qui guide la Banque centrale à abaisser son taux obligatoire. C'est pour simplement répondre aux sollicitations du gouvernement. Ce qui pose un sérieux problème. Lequel, M. Guirassy? Notamment l'indépendance de la Banque centrale. Très bien. Et cette situation peut avoir des conséquences néfastes pour notre économie. C'est là-dessus qu'on vous attend, parce que c'est là-dessus qu'il y a toutes les spéculations. Est-ce que ce montage financier, cet emprunt, comporte des risques, des inconvénients pour notre économie, pour les agents économiques, pour la politique monétaire du pays? Bien, M. Diallo. Oui. Il y a des avantages et inconvénients. Bien. Avantage, nous avons besoin des infrastructures, des ponts. Ça, c'est une réalité. C'est pourquoi je salue un peu le gouvernement de transition dans ce cadre-là. Très bien. C'est sans précédent. Il y a un effort substantiel et remarquable dans les infrastructures. Ça, c'est à saluer. Bien. Mais, par revanche, le montage financier tel qu'il existe actuellement, nous avons actuellement une inflation autour de 8,6%. Contrairement à ce que j'ai entendu hier, le gouverneur a parlé de 6%. Le gouverneur parle de 6%. Dans tous les documents officiels de la Banque centrale, l'inflation actuellement est à 8,6%. Et l'inflation tablée dans le LFR est transmise au CNT. L'inflation est prévue. La cible est portée à 9,2%. Oui. Donc c'est pas si proche de 10%. Proche de 10%. Et c'est ce moment qu'on choisit pour ouvrir le robinet de la liquidité. Le robinet, alors qu'on devait normalement le refermer. Parce qu'il y a un risque d'inflation après, parce que ça, on va remettre beaucoup d'argent dans le circuit. Vous savez, les réserves obligatoires appartiennent aux banques commerciales, mais détenues par la banque centrale. Bien entendu. Quand on ajoute ça à ces réserves obligatoires là. Plus la monnaie créée par la Banque centrale, appelée monnaie fiduciaire, la monnaie papier, les deux réunis s'appellent la base monétaire. Bien. La base monétaire, c'est la monnaie fiduciaire, la monnaie banque centrale, plus les réserves obligatoires. Et c'est la base monétaire là qui alimente la masse monétaire en monnaie à liquidité, en monnaie centrale. Parce que la base monétaire, monnaie en circulation. Voilà, la base monétaire, c'est uniquement de la liquidité. Alors que la masse monétaire n'est pas forcément de la liquidité. Donc c'est la base monétaire qui alimente la masse monétaire en monnaie
fiduciaire, en monnaie sonnante et trébuchante, en liquidité. Mais cependant, il y a une relation mathématique qui est basique. Bien. Où on dit que la masse monétaire égale à la base monétaire multipliée par le multiplicateur monétaire. Et le multiplicateur monétaire, c'est l'inverse des réserves obligatoires. 1 sur RO en mathématiques. Et ça veut dire que à chaque fois que vous abaissez... On entend de l'algèbre là. À chaque fois que vous abaissez, à chaque fois que vous abaissez le taux de réserve obligatoire, par, mathématiquement, la masse monétaire s'accroît. Et quand la masse monétaire s'accroît, sans contrepartie en biens et services, la conséquence, c'est l'inflation. Mon enfant de 5 ans va vous dire que l'inflation, oui, donc dans les prochains mois, dans les mois à venir, il ne sera pas surpris d'avoir une inflation à deux chiffres. Je ne suis pas alarmiste, mais c'est ça, mathématiquement et économiquement, ça s'explique. Ça, c'est une première conséquence de l'inflation. Bien. Deuxième conséquence auquel nous pouvons nous attendre, c'est le manque d'indépendance. Parce que visiblement, les seuls impératifs qui doivent guider actuellement, le taux d'électeur a été dans cette opération-là. Dans cette opération-là, on a obligé la Banque centrale à baisser son taux directeur de 11,5 à 11%. On a obligé également à baisser le taux de réserve obligatoire à 15% à 13%. À 13%. Ouais. Mais guidé uniquement par le bien de ce montage-là. Ouais. Alors que le seul impératif qui devait les guider, c'est pour la régulation monétaire. Ouais. Contrôler l'offre de monnaie de manière à avoir sans inflation ni déflation. Or, ce cas-ci, il y a eu... On a forcé un peu la Banque centrale à ouvrir le bien à la liquidité, à la baissant ces taux-là. Ouais. Donc là, c'est un sérieux accro à l'indépendance de la Banque centrale, qui est pourtant prouvé. Ouais. Et les études ont prouvé empiriquement qu'à chaque fois qu'une Banque centrale est assujettie aux politiques, l'inflation devient incontrôlable. Les États-Unis, donc il y a un risque. La Fed est un exemple, aux États-Unis, au Canada, c'est un exemple, en France, c'est un exemple, également la Bundesbank, est hostile à cela. C'est l'une des conditions que l'Allemagne avait mis pour intégrer la BCE. Il dit on fait zéro avance à la Banque centrale au Trésor. Donc, en fait, l'inflation, c'est le cauchemar de l'Allemagne. Ouais. Et donc, la Banque centrale doit être totalement indépendante. Indépendante du pouvoir politique. Indépendance opérationnelle, indépendance managériale et même l'indépendance financière. Ben. C'est obligatoire. Ça, c'est la deuxième conséquence. Alors, que direz-vous, parce que c'est une question entre parenthèses, que direz-vous du fait que le gouverneur de la Banque centrale, dans le contexte guinéen, siège même au Conseil des ministres? Normalement, le gouverneur de la Banque centrale n'est pas membre du gouvernement. Il ne doit pas y siéger. Bien. Parce que la politique monétaire est complètement déconnectée de la politique du gouvernement. Les deux. En fait, la politique économique, il y a la politique financière, la politique budgétaire, la politique monétaire. Mais la politique budgétaire et la politique financière peuvent aller ensemble. Mais la politique monétaire... doit être dissociée. Dissociée parce que, en fait, les autres sont un peu antinomiques. Bien sûr qu'il doit y avoir ce qu'on appelle le cadrage macroéconomique. C'est-à-dire que les trois politiques doivent évoluer parallèlement. Bien. La politique monétaire, budgétaire et financière et monétaire doivent avoir une certaine coordination. Bien. On appelle cela... Le cadre macroéconomique. Bien. Mais il y a un point on arrive au terme. Parce que oui, il y a justement un point sur lequel je voudrais intervenir. Comme encore inconvénient de cette opération, vous pouvez avoir une panne de liquidité dans le marché interbancaire. Une panne de liquidité. Oui, naturellement. Donc ça comporte un risque pour les banques. Absolument, parce que quand on prend les réserves obligatoires, ça appartient aux banques commerciales, mais détenues à la banque centrale. Oui. Et donc, si c'est montant, normalement, quand on abaisse le taux de réserve obligatoire, cette manne de liquidité devait revenir aux banques. Effectivement. C'est cette manne-là que la Banque centrale va ponctionner pour faire face à ses dépenses d'investissement. Et dans le marché monétaire, il y a deux rubriques. Marché interbancaire et le marché des TCN, des titres de créances négociables. Dans le marché interbancaire, il y a seulement les banques entre elles qui agissent avec la Banque centrale. Alors que le marché des TCN, c'est tout le monde qui arrive là-bas. Mmh. Entreprise, trésor, banque centrale, banque commerciale. Donc, venons au marché interbancaire où les banques seulement agissent entre elles. Les banques en excédent de liquidité prêtent l'argent, prêtent la liquidité aux banques en déficit de liquidité. À un moment donné, les banques peuvent avoir des anticipations pessimistes en se disant « Oh, le lendemain, je ne sais pas ce qui se passe demain, donc on ne prête pas l'argent. » Les banques peuvent refuser de se prêter de l'argent, sachant que la Banque centrale revient pour jouer ce qu'on appelle le rôle de prêteur en dernier ressort, en prêtant la liquidité aux banques. Et dans ce cas, il fait recours à ses réserves obligatoires comme premier matelas financier pour aider les banques à se sortir. Mais si le gouvernement capte ces matelas financiers-là, on prive les banques d'une forte liquidité en cas de panne de liquidité dans le circuit bancaire, ça pourrait amener à une crise systémique. Et ça, c'est important. Ouais. Dernier inconvénient bien. Que je vais m'arrêter, pourquoi, dernier inconvénient, oui. C'est que dans le marché des capitaux, il y a plusieurs demandeurs. Il y a l'État qui est demandeur.
Il était quelque part par le biais des bons du trésor, par le biais des obligations du trésor. Il y a aussi le ménage par le biais des crédits. Les entreprises. Aussi, il y a aussi les entreprises qui demandent et qui émettent également ce qu'on appelle les biens de trésorerie. Il y a également les banques même qui en ont besoin et qui émettent ce qu'on appelle les certificats de dépôt. Tous ces titres-là sur le marché. Mais si l'État a lui seul capte 5 000 milliards, la part qui reviendra maintenant aux ménages et aux entreprises va largement s'amenuiser. Ouais. Et donc, est pourtant acquis par le développement, par le forcement des PME et des PMU. De l'économie réelle. Ce sont eux, ouais, le moteur de la croissance qui, ouais, doivent aider l'économie, ouais, réelle, bien, à se développer. Et si on les prive de liquidité, ça pose de sérieux problèmes pour la croissance économique. Bien. Diallo. Monsieur Abdoulaye Djirassi, il était notre invité de prestige de ce. En ce jeudi 5 octobre, est-ce qu'il vous a convaincu? Voilà, je vous laisse le soin donc, de. Oui. D'hier qui sont répondus finalement. Bien. Oui. Après, Mamadouri. La prochaine fois, certainement, j'aurais voulu qu'on nous parle de la solvabilité même du gouvernement. Bien, voilà. Selon, dans les échanges de remboursement. Voilà, je pense qu'il a fait quand même une entrée fracassante, voilà, dans cette émission. Félicitations. Et je pense qu'on laisse le débat aux spécialistes à eux donc, d'apprécier la prestation de M. Abdoulaye Djirassi, qui va rejoindre notre escouade de spécialistes, d'experts. Et on espère aussi que ces propos vont avoir de la résonance auprès des pouvoirs publics. Merci, M. Djirassi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça n'est terminé pour aujourd'hui. Toutes nos excuses à nos sponsors. Et je pense qu'on va rattraper cela derrière le point info. À demain pour poursuivre l'aventure. Au revoir. FIM FM. Vous avez suivi FIM 24.